Bonjour à tous et bienvenue au Forum européen de bioéthique pour cette semaine consacrée à l'enfance. On va démarrer cet après-midi par un sujet qui concernera la sexualité de nos enfants. Et pour modérer cette table ronde, je passe la parole à Aurélien Benwalid. Bonjour à tout le monde. Alors, la sexualité est toujours un sujet relativement délicat à discuter. C'est un sujet qui reste tabou souvent. La sexualité des enfants l'est probablement encore plus. Alors, que dire de la sexualité de nos enfants? C'est un sujet qui est particulièrement important parce que, en tant que parents, nous avons donc la responsabilité de l'éducation qu'on va donner à nos enfants et probablement qu'en matière de sexualité, comme en matière de bien d'autres domaines de la vie, l'éducation a un rôle particulièrement important. Rien de neuf sous le soleil, pourtant. Depuis la nuit des temps, les enfants et puis les adolescents ont une sexualité et cela devrait plutôt faire partie du registre de la physiologie, même si, à travers le temps, on a parfois essayé d'en faire une forme de maladie ou une tare. Il s'agit, au même titre que la respiration ou l'alimentation, d'une fonction vitale de l'être humain. Pourtant, elle nécessite quand même qu'on y prête particulièrement attention. L'être humain, en matière de sexualité, n'est pas tout à fait un animal comme les autres. Pour lui, la chose paraît moins simple. Il a tendance à l'intellectualiser, la sentimentaliser, la rationaliser, la légaliser. Et finalement, la sexualité prend une dimension qui est bien différente. Aujourd'hui, l'impression qu'on peut avoir, c'est que nos enfants ont affaire à une société qui va leur demander ou qui va exiger d'eux des modifications par rapport à la sexualité des parents. L'entrée dans la sexualité, l'éducation à la sexualité, l'éducation aux émotions, aux sentiments, au consentement, l'éducation à la parentalité aussi. Lorsqu'on est un enfant, la sexualité, c'est une chose. Est-ce qu'on nous apprend, est-ce qu'on devrait nous apprendre à appréhender ce qui va peut-être suivre dans la vie génitale d'un individu, c'est le fait d'être parent, l'accès à la contraception, bref, tout un tas de questions tout à fait passionnantes, tout à fait bouleversantes, qu'on va aujourd'hui discuter avec les orateurs qui nous font le plaisir d'être présents. Je tiens aussi à vous faire part des excuses de Stéphane Clerget, qui malheureusement ne peut pas être présent en visio aujourd'hui. On lui souhaite un prompt rétablissement. Pour discuter de la sexualité de nos enfants, je donnerai la parole tout d'abord à Louisa Attali, à qui je remercie chaleureusement d'avoir pris au pied levé cette place manquante. Et je suis sûr que ses talents de psychologue clinicienne au CHU de Strasbourg, au pôle de gynécologie, est docteur en psychopathologie et en psychanalyse. Et je suis certain que son expérience, notamment peut-être aussi à travers l'association Info Ado, nous apportera des lumières importantes. Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue, que nous aurons également le plaisir d'entendre, et Israël Nizan, que vous connaissez, qui est le président du conseil scientifique du Forum européen de bioéthique, qui est le fondateur du Forum européen de bioéthique et qui est actuellement chef de la maternité de l'hôpital américain de Paris. Je voudrais donc maintenant laisser d'abord la parole à Louisa, qui avec sa casquette... Ah oui, évidemment, bien sûr, j'allais oublier... On a la chance, cette année, c'est de faire intervenir des jeunes. On l'a dit ce matin déjà une première fois, mais ce sont les principaux intéressés, ce sont eux qui vivent les modifications les plus importantes vis-à-vis de leur génération, et c'est tout à fait normal de leur laisser la parole. Donc il s'agit de deux jeunes qui viennent du collège Saint-Étienne de Schiltigheim qui vont se présenter. Il y a Yanni Moub et Anna Subtil, et je vais d'abord leur laisser la parole en premier lieu. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Yanni et moi sommes très heureux de pouvoir témoigner aujourd'hui au nom des jeunes sur ce thème qui nous touche tous. En effet, la sexualité de chacun est très précieuse, mais malheureusement, le rapport que nous pouvons avoir à nous-mêmes et les rapports que nous pouvons avoir entre nous, entre êtres humains, ne témoignent pas toujours de cette réalité. Donc Anna et moi sommes étudiants en classe préparatoire et on a pris l'initiative de faire circuler un sondage au sein de notre établissement. Ce sondage visait particulièrement un public âgé de 15 à 25 ans. Nous, on a récolté plus de 180 réponses qui pourront venir appuyer nos propos et pouvoir illustrer au mieux l'impression de notre génération face aux problématiques sexuelles. La définition académique de la sexualité désigne dans la tendre enfance le rapport au corps, à l'intimité et aux organes génitaux. À partir de 10 ans, elle désigne plutôt la construction du consentement,
du désir et de l'attirance sexuelle. On a dégagé rapidement une idée de la sexualité pour notre génération à partir de notre sondage. 73% des jeunes qui ont répondu à notre sondage étaient d'accord avec l'affirmation « J'ai l'impression que ma sexualité est différente de celle des générations précédentes ». Également, l'amour n'est globalement plus considéré comme intrinsèque au sexe. En effet, 70% des sondés n'ont pas été d'accord avec l'affirmation « Sexe et amour sont indissociables ». On a dégagé trois grandes problématiques au niveau de ce sujet. Quelles instances pour l'éducation sexuelle de nos enfants? Quel rapport avec notre sexualité? Et quel rapport entre nous? Donc, dans un premier temps, Anna et moi, nous sommes penchés sur l'influence du numérique sur la sexualité de notre génération. En effet, la génération Z, elle se distingue des anciennes générations par son rapport au numérique et au monde virtuel, qui exerce sur nous une très forte influence. On a donc relevé les aspects positifs mais aussi négatifs de cet accès dès le plus jeune âge au monde virtuel. Donc premièrement, on s'est intéressé au rap, qui est très présent dans notre génération. Il y a une partie des sons mainstream du rap qui est tournée autour de l'irrespect et de l'objectification de la femme. Et ça, ça a deux conséquences. La première, c'est de faire croire aux jeunes filles que c'est comme ça qu'elles seront aimées et elles vont donc chercher à correspondre à l'image de la femme qui est véhiculée par le rap. Mais il y a aussi celle de faire croire aux hommes que c'est par un machisme violent et une démonstration de misogynie constante qu'ils seront considérés comme des vrais hommes par leur père. De plus, les rappeurs sont une source d'inspiration pour les jeunes et deviennent donc des modèles pour leurs fans. Et ça, ça pose deux problèmes. Il y a premièrement les nombreuses accusations d'abus sexuels qui planent sur les rappeurs. Donc on peut prendre l'exemple de Moala Squal. Ou encore, ces rappeurs influents sont accusés de violences sexuelles alors qu'ils sont en parallèle des modèles pour leur public masculin. Et la deuxième conséquence, c'est que la culture du viol est très présente dans le rap. Le verbe « violer » y est souvent utilisé, et voire fantasmé, comme l'avait fait Val dans sa chanson « Selfie ». Donc deuxièmement, on s'est aussi penché sur le porno, qui est très présent dans notre génération et dont l'accès y est très simple et très peu encadré. Donc le porno, il arrive relativement tôt dans nos vies. Il y a 15% des 14-17 ans qui affirment regarder au moins une fois par semaine du porno, et ils sont 21% pour les 14-24 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont même accès à leur premier porno avant leurs 12 ans. Cette consommation régulière de porno, elle amène à une hypersexualisation de notre génération. Il y a des garçons de 5e qui disent être désireux de fellation en utilisant un vocabulaire sexuel très dégradant et violent à l'égard des femmes, tel que le mot « bifle » qu'on entendait déjà quand on était en classe de 5e. Et selon le sondage qu'on a évoqué plus tôt, il y a un sondé sur deux qui estime avoir vu son premier porno trop tôt. Au-delà de ça, le porno y désinforme et y donne une image erronée du sexe, et ça pour diverses raisons. D'abord, le masculin prône pratiquement toujours sur le féminin. Avec l'angle de vue du porno, par exemple, c'est toujours un point de vue omniscient ou le point de vue de l'homme qui va avoir un rapport avec la femme et jamais l'inverse. Le plaisir féminin est occulté. Il y a beaucoup d'inceste avec des gros titres « J'ai baisé ma mère sur la table du salon » alors qu'en parallèle, on sait qu'un enfant sur 10 est victime d'inceste. Également, le porno, il donne l'image des corps irréalistes avec le dictat du poil. Les poils, ils doivent être inexistants. Personnellement, mes poils, ils me dérangent pas. Je veux les garder, mais c'est pas toujours facile et c'est pas normal que je puisse pas le faire. Sinon, il y a une banalisation des pratiques violentes. Le porno, il propose des gammes très diversifiées, notamment avec le BDSM, qui va banaliser. J'ai parlé de cette conférence à mes amis, et toutes m'ont parlé d'agression sexuelle. Je pense sincèrement que c'est en grande partie imputable au porno. Je ne sais pas s'il y a une augmentation des agressions sexuelles, ou si c'est la libération de la parole, mais c'est aberrant, toutes ces femmes qui doivent vivre avec un tel traumatisme. Je parle des femmes, mais la communauté homosexuelle est aussi gravement touchée. 67% des personnes qui ont répondu à notre sondage ont dit être d'accord avec l'affirmation « Les violences sexuelles sont en partie imputables à la pornographie ». La notion de respect et de consentement est aussi totalement absente. On ne voit jamais dans une scène de film porno demander « Est-ce que je peux toucher là? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça ?» 58% des gens qui ont répondu à notre sondage estiment que la pornographie a un impact sur leur sexualité. En somme, je dirais que le porno, il biaise la sexualité des jeunes. Il y a ce fléau de mecs qui peuvent plus bander dans la réalité car ils ont abusé du porno. Ou bien, ils ne prennent même plus autant de plaisir particulier dans le partage d'un moment intime avec un partenaire. Je trouve que la phrase de Martin Page résume bien l'effet du porno sur notre jeunesse dans son ouvrage « Au-delà de la pénétration ». Il a dit « Ils disent qu'ils font l'amour, mais en fait, ils se masturbent dans le corps des femmes ». Donc troisièmement, on s'est penché sur l'influence des applications sur notre sexualité. Donc à la différence des anciennes générations, notre génération connectée, elle fait face à une problématique nouvelle, c'est celle des sites de rencontres.
Donc en effet, il y a de nombreux mineurs qui ont accès à des sites de rencontres normalement réservés à un public majeur. C'est une pratique qui est particulièrement commune dans la communauté gay masculine mineure du fait de l'isolement social et communautaire. Donc il existe de nombreux jeunes garçons gays qui ont eu leur premier rapport sexuel entre l'âge de 12 et 15 ans avec des majeurs qu'ils ont rencontrés sur des sites de rencontres gays tels que Grindr. Et ça amène à une hypersexualisation de l'enfant qui va alors intérioriser l'idée que seul son corps est attirant parce qu'à la différence de son entourage hétérosexuel, il n'a pas de rapport émotionnel avec des garçons mais uniquement sexuel. De plus, ces pratiques sont source de violences sexuelles régulières et banalisées. Selon une enquête de Santé publique France, il y a un quart des jeunes hommes ayant eu des rapports sexuels avec d'autres hommes qui déclarent avoir déjà eu des rapports forcés ou des tentatives de rapports forcés. Et parmi eux, ils sont 60% à se déclarer avoir subi ces violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Il existe également d'autres applications, pas nécessairement tournées autour de la sexualité, mais qui présentent aussi des dérives. Avec des jeux d'alcool comme Piccolo. Piccolo, c'est un jeu qui va proposer une action ou une vérité. Et si on veut pas faire cette action ou dire cette vérité, il va falloir boire un verre d'alcool. Dans ces actions, il y a des actions très tournées sur la sexualité et il y a une absence totale de consentement. Et il y a une pression sociale qui amène à des abus sexuels ou à des situations humiliantes. Quand j'ai parlé de ce thème avec une amie, elle m'a dit aussi que elle l'a vu à cause de Twitter. Très jeune également, elle était au collège. Sur Twitter, il y a également la banalisation des insultes homophobes et misogynes. Cependant, on a vu que la face sombre des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ils ont aussi été vecteurs de libération, de respect, et ils ont cassé les tabous. Par exemple, avec le mouvement MeToo sur Twitter, ou grâce à des pages Instagram d'éducation sexuelle qui nous apprennent à nous connaître, qui vont répondre à nos questions sur la sexualité, mais il y a également des plateformes d'activisme et de protection des victimes, comme Stop au silence à 3, une plateforme à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir faire appel. Sinon, il y a la série Sex Education, dont je pense que vous avez tous déjà entendu parler, qui illustre vraiment la réalité, qui illustre le fait que les jeunes, ils ont une sexualité, qui peuvent l'accepter, qui peuvent se poser des questions. Il y a aussi un passage où une fille explique ne pas ressentir de désir sexuel et donc rend visibles les personnes asexuelles. Cette série, elle pallie à l'éducation sexuelle qu'auraient dû nous fournir d'autres institutions sociales. In fine, le monde du numérique est à l'origine d'une véritable désinformation sur notre sexualité, surtout quand on est très jeune, avec le porno, les sites de rencontres, les sites de webcam, etc. Cela met les enfants face à des choses très dangereuses. Cependant, le numérique, quand il est bien utilisé, il constitue un véritable outil d'information et d'activisme qui peut en apporter beaucoup à nos jeunes. Mais alors, quel est le rôle du reste de la société dans notre éducation sexuelle ? Donc, on s'est premièrement penché sur le rôle de la famille. Donc, parce que c'est dans la famille que débute la sexualisation de l'individu. On peut prendre l'exemple de la question récurrente « Tu as un copain ou une copine ?» qui est souvent adressée à des enfants de moins de 8 ans. Or, cette question, elle fait directement intérioriser à l'enfant son hétérosexualité supposée, alors qu'il ne peut souvent pas encore se prononcer sur son orientation sexuelle. Et ça nous amène à la problématique du coming out, donc qui est une pratique qui explicite bien le caractère hétéronormé de nos sociétés, et qui montre la nécessité de littéralement sortir du placard. Donc, en plus de mettre l'individu dans une situation gênante, voire dangereuse, ça participe à la marginalisation des personnes non hétérocisgenres. L'éducation hétéronormative reçue dans le cadre familial ne s'accompagne pas non plus d'une éducation au consentement et à la sexualité. Le sexe est souvent tabou et il est considéré comme gênant par les parents comme par les enfants. La sexualité, elle est souvent condamnée. Il y a de nombreux parents qui s'opposent à ce que leurs enfants puissent dormir avec leur partenaire sous leur toit. Et ce tabou, il pèse beaucoup sur notre génération. En effet, il y a 42% des sondés qui estiment ne pas pouvoir parler librement de sexe avec leurs parents et il y a 64% d'entre eux qui aimeraient pouvoir le faire. Il y a aussi la problématique de l'inceste, avec, comme l'a dit Anna plus tôt, un enfant sur 10 qui est touché par ce fléau et qui met bien en évidence que l'éducation sexuelle, elle ne peut pas être qu'aux mains de la famille. C'est pour ça que dans un second lieu, on s'est penché sur une autre institution, sur les autres institutions qui jouaient un rôle dans notre éducation sexuelle. Donc on s'est premièrement penché sur l'institution étatique qui représente l'éducation nationale. Il y a 92% des jeunes qui ont répondu à notre sondage qui étaient d'accord avec l'affirmation « l'éducation sexuelle a sa place à l'école », mais en parallèle, ils sont 71% d'entre eux à penser que l'éducation sexuelle n'est pas satisfaisante dans le cadre scolaire. Depuis 2001, pourtant, l'éducation sexuelle est bien inscrite dans le code de l'éducation. Cependant, d'après une enquête réalisée par le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes, il y a 25% des écoles élémentaires, 11% des lycées et 4% des collèges qui déclarent n'avoir mis en place aucune action ou séance d'éducation sexuelle. De plus, selon le site de l'éducation nationale, l'éducation à la sexualité à l'école primaire est à la charge du professeur.
Or, selon Le Monde, ces professeurs sont majoritairement des femmes âgées en moyenne de 42 ans. Donc il y a un véritable choc des générations qui s'opère entre des femmes quarantenaires et des enfants de moins de 11 ans. De plus, les professeurs d'école sont mal formés à ce type d'éducation, voire pas formés du tout. Donc l'éveil au consentement, à l'intimité ne s'opère pas, et c'est pourtant à cette même période que les premiers comportements misogynes ou banalisant les attouchements sexuels se manifestent, comme les petits garçons qui vont lever la jupe des filles lors des récréations. Donc deuxièmement, on s'est aussi penché sur la religion, dans laquelle il y a une absence totale d'éducation sexuelle. Il y a une marginalisation complète du sujet de l'homosexualité et de la transidentité, et ça propose un aspect seulement reproductif du sexe, en occultant complètement le plaisir sexuel, voire en le condamnant, notamment dans le cadre de la masturbation. Et ça, ça va créer des tabous et va faire penser à l'enfant que quelque chose cloche chez lui, qu'il est bizarre, alors qu'en réalité, la majorité des enfants se questionnent sur leur sexualité. Ce tabou, il est à l'origine d'un certain mal-être, pouvant mener à des comportements sexuels dangereux, découlant directement des frustrations sexuelles et physiques physiques et psychologiques accumulées au sein des institutions religieuses, faisant de celles-ci des véritables producteurs de prédateurs sexuels. En somme, il y a différentes institutions sociales, sociétales et étatiques qui influencent notre éducation sexuelle, et ce, de façon tacite ou non. Cependant, les sondages et les témoignages recueillis, ainsi que notre expérience personnelle, nous amènent à conclure que quand l'éducation sexuelle est faite, elle ne s'avère pas utile. Elle est survolée et hétéronormée, et elle relève plus d'un cours d'anatomie que d'un cours d'éducation sexuelle. Elle laisse alors l'enfant face à lui-même, et celui-ci ne peut se réfugier que dans le numérique. Pour conclure, je dirais que la frontière entre la sexualité des jeunes et la sexualité des adultes est floue. D'une part, tous les jeunes ont accès aux déviances sexuelles des adultes avec le porno, avec le grooming. Le grooming, c'est le fait d'adultes qui profitent des jeunes et du fait qu'ils soient crédules, qu'ils ne soient pas éduqués en termes de sexualité. Sinon, il y a aussi au travers de l'hypersexualisation, lorsque les adultes sexualisent les jeunes, avec l'exemple de la pédophilie ou de l'inceste. 60% des personnes qui ont répondu à notre sondage considèrent que l'hypersexualisation ambiante a eu un impact sur leur sexualité. Toutes ces déviances sexuelles sont dans le quotidien des jeunes et le plus souvent construisent leur sexualité. Monsieur Benoît Lide avait soulevé une question lorsqu'il était venu intervenir auprès de Yannick et moi. Est-ce que les femmes acceptent de se faire draguer par des inconnus ? Je dirais que l'hypersexualisation répond à cette question. Personnellement, je préfère pas me faire draguer par des inconnus. Je trouve ça plus simple et plus rassurant. Je pense que j'ai développé ce mécanisme à cause de l'hypersexualisation omniprésente partout et tout le temps. D'autre part, la sexualité, c'est un tabou. Il y a cette gêne encore trop omniprésente partout et dans toutes les générations, faisant de la sexualité une grande question que les jeunes sont livrés à eux-mêmes pour répondre. Si les adultes ne sont pas à l'aise avec l'idée de parler de sexe, ils ne peuvent pas offrir aux jeunes un environnement sain dans lequel développer leur sexualité, s'épanouir, se poser des questions, quelles qu'elles soient, et oser poser ces questions. Donc il y a d'un côté cette omerta, et de l'autre, il y a tout ce contenu et ces attitudes déviantes omniprésentes dans notre vie. C'est un cocktail explosif qui mène les jeunes sur le mauvais chemin car la sexualité émerge de plus en plus tôt chez les jeunes, tandis que les infos, elles, non. Je finirai par dire que notre sondage a révélé que 8 jeunes sur 10 souhaitent que l'éducation sexuelle de leurs enfants soit meilleure que celle qu'ils ont reçue. Merci. Merci Anna, merci Annie. Je crois que si dans le public vous aviez un doute quant au changement qu'il peut y avoir dans l'approche de la sexualité entre la génération du dessus et la génération du dessous, ben vous voyez que c'est un sujet dans lequel il y a eu énormément de modifications et c'est un sujet que vous avez pris à bras le corps. Donc je vous félicite parce que vous avez fait un rapport circonstancié avec des statistiques que je serais très intéressé de revoir plus précisément peut-être dans un deuxième temps. Mais en tout cas bravo et merci pour la prise de parole. Vous aurez bien évidemment l'occasion de réintervenir à la fin de la table ronde pour nous donner vos impressions ou réagir sur ce qui a été dit. Je vais déjà donner la parole maintenant à Louisa Attali, psychologue clinicienne. Merci beaucoup de venir et de témoigner. Merci à vous de m'avoir proposé d'intervenir. Donc bonjour à tous, merci pour votre présence. Ma clinique, en tant que psychologue au pôle de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Strasbourg, sera la source de mes propos. Je parlerai donc essentiellement de la sexualité adolescente, puis de la contraception et de la survenue d'une éventuelle grossesse chez une adolescente. Alors, concernant la sexualité de l'adolescence, la puberté, on peut dire, c'est une effraction du réel. Une effraction du réel, notamment dans son livre « La crainte de l'effondrement », et autres situations cliniques, Winnicott parle de breakdown, d'effondrement.
Ce qui s'effondre, ce sont les défenses et l'unité du moi, c'est-à-dire de l'identité, du fait d'un débordement des pulsions et des modifications de l'image du corps. Le moi est effracté, du dedans et du dehors. Effracté du dehors par les transformations du corps, qui lui rendent ce corps étrange et étranger à lui-même. Effracté du dedans par des charges libidinales importantes, accompagnées d'une reviviscence de fantasmes incestueux. Ainsi, à l'adolescence, il y a une sexualisation des liens aux autres et de nouvelles sources d'excitation liées à des éprouvés du corps qui provoquent un trouble chez l'adolescent. Philippe Jamet nous dit « À l'adolescence, la salle de bain devient trop petite. C'est le besoin d'intimité. » Un effet que l'on peut entendre dans cette effraction du réel est, par exemple, lorsque l'on intervient dans des interventions type info-ado dans des collèges, beaucoup de questions qui nous sont posées sur le sexe évoquent souvent des images pornographiques. Cette crudité de la parole trouve sa source dans le fond de malaise qui pétrit notre rapport au corps à l'adolescence. De tout cela, la rencontre avec l'autre dans l'expérience amoureuse va prendre toute sa force. Cette rencontre va être un des moyens privilégiés de restaurer le narcissisme blessé par les menaces externes et internes, un moyen privilégié de lutter donc contre l'effondrement. Elle est aussi un moyen de retrouver en l'autre le soutien qui fait défaut en soi. Et alors que la sexualité infantile se base sur des fonctions nécessaires à la vie, à l'adolescence, il y a une découverte d'une nouvelle sexualité, la sexualité génitale. Et l'expérience amoureuse va être un essai de cette sexualité. En résumé, l'adolescence est une véritable mutation. L'adolescente est rendue vulnérable par les effets psychiques et physiques de la puberté, qui sexualise et conflictualise sa relation à son entourage et particulièrement à ses parents. Alors je vais vous raconter l'histoire de Chloé, qui illustre à quel point la sexualité peut devenir symptôme d'une extrême souffrance. Une sage-femme un jour à l'hôpital me demande de rencontrer une jeune fille qui, dit-elle, est venue pour une demande d'IVG, mais qui, face à elle, semble indécise. Chloé est une jeune fille de 19 ans, au visage longiligne, à l'image de son corps. Peu expressive, elle fait un BTS et vit chez ses parents, elle a un petit frère de 11 ans. Elle me dit qu'elle est venue accompagnée du meilleur ami du géniteur. Ce dernier veut s'assurer qu'elle avorte, il est donc là, dit-elle, pour vérifier. Chloé me décrit un groupe d'amis dont elle fait partie depuis 2 ans, groupe dont elle est la seule fille. Elle entretient des relations particulières avec ses garçons, en effet, elle évoque avoir eu des rapports sexuels réguliers avec chacun d'eux. Elle dit qu'il s'agit de rapports consentis, et lorsque je lui demande comment elle vit cela, elle semble n'éprouver aucune gêne. Elle ne comprend même pas pourquoi je lui pose la question, elle trouve cela normal. C'est une façon de leur faire plaisir, et surtout de les garder comme amis, de ne pas les perdre. Elle ajoute... Je couche que avec eux, pas avec n'importe qui. Malgré cette situation particulière, elle dit ne pas douter de l'identité du géniteur, puisque depuis quelque temps, elle s'est attachée à l'un des garçons du groupe, Julien, et refuse d'avoir des rapports avec les autres, malgré leurs sollicitations. Pour refuser, elle leur dit avoir mal à la tête, être fatiguée. Elle ne veut pas leur avouer qu'elle a des sentiments pour Julien, mais ils s'en doutent et sont jaloux. Lance quelques boutades à Julien. Lorsque l'on évoque la grossesse liée, dit-elle, à un oubli de pilule, elle semble désireuse de la poursuivre, mais ne l'affirme pas clairement. La découverte de la grossesse fut une bonne nouvelle pour Chloé, mais elle dit devoir l'interrompre parce que Julien ne la souhaite pas. Et il y aurait une très grande pression de son groupe d'amis. Elle a dit à tout le monde qu'elle venait aujourd'hui à l'hôpital pour avorter. Elle craint d'en parler à ses parents, qu'ils la mettent à la porte. Contrastant avec une apparence de légère limitation intellectuelle, elle a été très prévisionnelle par rapport à sa grossesse. Elle s'est renseignée sur d'éventuelles aides financières. Et au fil de l'entretien, elle énonce de plus en plus clairement son désir de la poursuivre. Mais elle dit « Je vais perdre mes amis ». Et parlant du garçon qui l'accompagne, elle dit « Et l'autre, qu'est-ce que je vais lui dire ?» Lors du deuxième entretien, Chloé raconte ce week-end, elle était chez Julien. Il y avait d'autres amis du groupe. Elle a alors fait du semblant de dormir et a entendu l'un d'eux dire à Julien « Mais à quoi elle sert, PC ?»« Elle sert à rien. » PC voulant dire « plan cul ». Elle m'annonce alors que c'est son surnom dans ce groupe d'amis. Chloé a été blessée d'entendre cela. Nous voyons ensemble qu'effectivement, elle s'est mise à une certaine place, celle d'objet sexuel.
Chloé évoque alors sa difficulté à avoir des amitiés féminines. Les filles se lassent d'elle, je ne suis pas intéressante, elle n'a pas confiance en elle. Au fil de l'entretien, elle énonce le fait qu'elle ne supporterait pas d'avorter, ce serait retourner en arrière. Lors de l'entretien suivant, Chloé m'annonce que la sage-femme lui a dit qu'elle était hors délai pour avorter. Elle est contente. Julien l'a accompagnée ce jour-là, pensant qu'elle allait commencer l'avortement. Avec son accord, je le rencontre avec elle. Chloé n'ose pas regarder Julien. Elle détourne la tête vers le mur. « Ils vont me laisser tomber, dit-elle. » Et au fil de l'entretien, elle ose dire à Julien, toujours en regardant le mur, « La sage-femme m'a dit qu'il était trop tard. »« Trop tard ? » ?»« Oui, trop tard pour avorter. » Puis elle rit en s'excusant, mouvement défensif. Chloé semble ainsi avoir profité de la parole de la sage-femme pour éviter d'avoir à assumer son désir de poursuivre la grossesse. Et au fil des entretiens, les relations à ces garçons apparaissent comme une tentative illusoire de sécurisation affective, une tentative de réparation d'un attachement insécure, pour citer Pascal Roman. Ses parents, en l'occurrence, lui disent depuis toujours qu'elle a un problème psychologique. Émergeront aussi les traces d'un vécu traumatique antérieur qui se réactualise dans ses relations actuelles. Chloé est aujourd'hui maman, elle n'est plus avec Julien, néanmoins celui-ci a reconnu sa paternité. La souffrance de Chloé s'accroche à un aspect de l'adolescence, l'importance du désir de l'autre et de son regard. Ici, Chloé se met radicalement en place d'objet sexuel. Elle imagine à tort ou à raison que c'est cela que les autres attendent d'elle et que c'est en y répondant qu'elle se fera aimer. La grossesse semble alors être le moyen d'avoir une reconnaissance autre. Pour revenir à l'adolescence proprement dite, Lacan disait souvent, le rapport sexuel n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a un clivage dès l'entrée dans la sexualité entre hommes et femmes. Selon des études de la sociologue Nathalie Bajos, pour les filles, le premier rapport serait un événement surtout relié à un enjeu affectif et relationnel. Il est lié à une relation souvent plus longue et 68% seraient très amoureuses lors de leur premier rapport. Pour les garçons, le premier rapport est un événement qui renvoie surtout à une expérience de la vie sexuelle et un passage à l'âge adulte. Seuls 38% sont très amoureux lors de leur premier rapport. Lors des entretiens, les adolescentes interrogent la sexualité comme preuve d'amour. Mais le sexe peut-il se substituer à l'amour? Elsa Kayat nous a donné un éclairage sur ce rapport au sexe et à l'amour et à la dissymétrie entre hommes et femmes à cet égard. Elle a écrit « Les hommes tentent de masquer leur demande d'amour derrière leur désir sexuel ». Alors que les femmes masquent plutôt leur désir sexuel derrière leur demande d'amour. Qu'en est-il de la contraception à l'adolescence? Un constat est le paradoxe français, c'est-à-dire que malgré la diffusion de la contraception, le nombre d'IVG reste stable. Il n'augmente pas, mais il reste stable. Pourquoi? Une des hypothèses de Nathalie Bajos, sociologue, est qu'il y a une diminution de l'âge du premier rapport sexuel, mais une augmentation de l'âge d'accès à la première parentalité. Donc le temps dédié aux relations sexuelles non liées à un désir de procréation augmente, ce qui pose la question de la contraception. Alors la contraception, c'est notamment une tentative de séparation entre sexualité et procréation. Qu'observe-t-on chez les jeunes femmes? Déjà qu'il y a une diffusion massive de la pratique contraceptive chez les jeunes. Les mineurs ont autant recours que les majeurs à la contraception, mais il y a une prévalence du préservatif. Et malgré l'idée naturalisante de la sexualité, selon laquelle les hommes auraient plus de besoins sexuels que les femmes, il y a une diversification des relations sexuelles chez les jeunes filles. Or, un souci est souvent rencontré, lorsque la relation s'arrête, la contraception s'arrête souvent aussi. Les jeunes femmes ont aussi des idées reçues. Par exemple, il n'y a pas de risque de tomber enceinte lors des premiers rapports. En classe de 3e, 2/3 des jeunes filles pensent que les premiers rapports ne sont pas fécondants, qu'il n'y a pas de risque pendant les règles, que la contraception orale provoque l'obésité, le cancer, la stérilité, les hormones, c'est mauvais pour la santé. Donc la prévention par l'information, elle est importante, mais est-ce que c'est suffisant? Finalement, qu'est-ce qu'on fait de la contraception? Est-ce qu'on en fait un gilet pare-balles ou une histoire d'amour? Lorsqu'on parle d'une adolescente enceinte, on se dit que c'est une grossesse d'irresponsable. Avec toutes ces informations qui circulent, comment fait-elle?
Il est alors intéressant de faire un petit détour par la clinique psychanalytique de l'IVG. En effet, les entretiens avec les jeunes filles en demande d'IVG nous permettent de poser cette hypothèse, celle que la survenue d'une grossesse et ou d'une demande d'IVG peut souligner ce clivage entre vouloir et désirer, le désir du côté de l'inconscient et la volonté du côté du conscient, ce clivage qui nous structure en tant qu'humains. Ainsi, il y aurait une demande cachée sous une autre demande. Et une grossesse peut être entendue alors comme un symptôme, un message à traduire, un événement à intégrer dans une histoire. Et notamment, on observe que des violences physiques, psychiques, sont plus fréquentes chez les femmes en demande d'IVG. Les demandes d'IVG sont aussi 10 fois plus souvent dans des situations d'échec, de sortie précoce du système scolaire. Elle peut s'inscrire aussi dans une perspective dynamique de changement pour accéder à une féminité, un passage initiatique pour certaines. Poser des mots permet une continuité dans le vécu de la jeune femme. Donc la prévention n'est pas qu'une histoire d'information, il faudrait aussi pouvoir travailler avec cette idée d'un clivage vouloir-désiré. Un autre aspect lié à ce clivage, je vais citer les paroles de Françoise Varinsky, une collègue gynécologue, qui un jour a dit « Il y a un âge et des périodes dans la vie durant lesquelles des femmes sont dans l'impossibilité de mettre en lien contraception et sexualité, aussi incroyable que cela puisse paraître. Lors du rapport sexuel, il y a comme un oubli des informations contraceptives. Elles ne sont pas mises en relation avec l'acte sexuel, un oubli de se préserver lors des rapports sexuels. Cette division du sujet entre conscient et inconscient apparaît sous une forme particulière, qui est celle de l'oubli des liens entre un savoir et un vécu, entre des connaissances et des affects. » En 2002, Françoise Héritier a écrit « Récemment, une enquête d'opinion publique a été menée par des sociologues pour savoir quels étaient les principaux événements de notre siècle. Les hommes répondent majoritairement qu'il s'agit de la conquête de l'espace. À 90%, les femmes mettent en premier le droit à la contraception. Fut un temps, le combat pour la contraception lui donnait tout son sens. Maintenant, c'est une chose acquise, alors quel sens apporter aux jeunes aujourd'hui ? Ceci d'autant que la contraception est souvent ressentie comme une castration, une contrainte. Françoise Hurstel dit « Que faisons-nous de la contraception dans les campagnes de prévention ? Un gilet pare-balles face à l'IVG ? Un se préserver, un préservatif ? Ou un geste d'amour qui permet des relations pacifiées avec l'autre sexe ? L'enjeu est là. S'autoriser la contraception, c'est s'autoriser la sexualité, pouvoir la penser, l'organiser et la vivre en se passant de l'accord parental. Or, ce n'est pas si simple. En effet, à l'adolescence, il y a déjà une certaine rupture et une confrontation aux parents. Prendre la pilule peut être ressenti par l'adolescente comme un acte de trahison, dans une confiance déjà altérée. Par exemple, je pense à une jeune fille qui venait pour sa deuxième IVG à 15 ans et qui me dit « Ma mère a fouillé mon sac au retour de l'IVG et a jeté mes pilules à la poubelle. » Et il y a aussi les adolescentes avec lesquelles on ne peut même pas aborder de suite la sexualité génitale et la rencontre des corps. En effet, il y a des jeunes femmes qui n'ont même pas les bases pour rencontrer l'autre sexe. Et c'est là que la pornographie vient faire effraction comme une sorte de passage à l'acte, là où on ne sait pas comment rencontrer l'autre. Ainsi, avant même d'aborder la sexualité génitale avec l'adolescente, il s'agit de l'entendre et de la soutenir dans sa construction identitaire. Comment se sentir fille ? Comment se sentir femme ? Je vous remercie pour cette écoute. Merci beaucoup, Louisa. J'ai fait ça hier soir. Hein. Voilà, on observe l'effort. Magnifique. Merci beaucoup. Israël Nizan, je vous laisse la parole. Le sexe comme le soleil ne peuvent se regarder directement, dit Comte Sponville. C'est toujours vrai. L'expérience d'avoir abordé les sujets de sexualité dans les écoles depuis une trentaine d'années montre un invariant qui ne change pas avec les générations, c'est que c'est toujours difficile de parler de sexe, que ce soit entre les ados ou d'adultes à ados ou d'ados à adultes. J'ai fait un peu la liste des choses qui changent et des choses
qui ne change pas. La première des choses qui ne change pas, c'est celle-là. Le sexe comme le soleil ne peuvent se regarder directement. Il y a une autre chose qui ne change pas, c'est l'aspiration au romantisme de nos jeunes. Ils l'ont dit, ils l'ont fort bien dit d'ailleurs. Le désir est quelque chose de mystérieux qui nous mange de l'intérieur et qui nous contraint par-devers nous. Et lorsque ce désir apparaît, il a un acolyte constant qui est toujours là, qui se nomme la culpabilité. Faites l'expérience avec des ados et dites le mot « masturbation ». Aucun ne l'ignore. Si vous dites dans une classe que vous allez parler de masturbation, s'il pouvait passer sous la table et sous le bureau, il le ferait. Comment ? On va parler de ça. La culpabilité accompagne le désir et ça, c'est un invariant. Le corps qui change et devient sexué, c'est toujours une source d'angoisse. Le regard de l'autre, on l'a dit et je ne vais pas y revenir. Mais il y a un autre acolyte qui accompagne cette survenue de la sexualité qui est constant tout au long de la vie. C'est l'angoisse. Tout le monde a de l'angoisse avec sa sexualité. Même les vieux. Est-ce que je suis encore capable d'avoir du plaisir ? Est-ce que je suis encore capable de provoquer le désir de mon compagnon ou de ma compagne ? Tout le monde a de l'angoisse avec sa propre sexualité. Et ceci est un invariant qui n'a pas changé. C'est définitif. C'est consubstantiel de l'accès à la parole. Je pense que les toutous n'ont pas d'angoisse quand ils reniflent une femelle en chaleur, ils suivent leur truffe et d'ailleurs ils ne rêvent pas d'une chienne qui aurait des taches comme ceci et des yeux comme cela. Ils ne fantasment pas sur des positions avec la chienne. Nous, nous sommes avant tout dans le langage, nous, nous fantasmons, nous, nous avons du désir qui n'est pas un désir automatique et ceci provoque à tout le monde des bouffées d'angoisse. Autre invariant, les difficultés qu'ont les adolescents de trouver de l'information qui tienne. La pornographie est une désinformation, soyons clairs. Elle ne les informe en rien. Et je suis frappé de voir que tous mes interlocuteurs, jusqu'au ministre de l'Éducation nationale, disent « mais ils sont surinformés, nos adolescents ». Faux. C'est faux. Ils ne savent rien. Et ce n'est pas parce qu'ils ont regardé des heures de pornographie gratuite qu'ils savent quelque chose. Difficulté d'avoir de l'information réelle, c'est un invariant. Autre invariant qu'on peut repérer chez les jeunes lorsqu'on aborde la question de l'homosexualité, c'est « qui suis-je ? Quel est mon genre ?» qui se traduit chez les garçons et chez les petits caïds par « mais c'est une maladie, les PD c'est des malades ». Loin de moi l'idée de penser que je pourrais être touché par ça, et ils sont d'autant plus virulents contre ces horribles PD qu'ils se sentent tenaillés par le problème de leur homosexualité personnelle qui n'est pas réglé. Je dis souvent que pour moi, l'homophobie est une forme clinique de l'homosexualité, mais c'est vrai. Ceux qui sont les plus virulents contre la pulsion homosexuelle sont ceux qui n'ont pas réglé tout à fait leurs problèmes personnels avec leur propre homosexualité. Et cette question qui tenaille les jeunes, tous les jeunes, est une question qui a un impact de santé publique parce que certains d'entre eux, quand ils découvrent que oui, ils sont attirés par des personnes du même sexe, et que oui, ils en sont. Cette nouvelle-là peut être tellement déprimante et tellement agressive pour eux que certains passent à l'acte et se suicident. Un bon nombre des suicides entre 16 et 18 ans sont liés à la suspicion ou même à la certitude que l'on pourrait en être, ce qui est terrible dans notre société hétéronormée. Enfin, la dernière chose qui est un invariant, de mon point de vue, c'est la pulsion patriarcale. Je couche avec une fille, elle est à moi.
j'ai le droit de savoir tout ce qu'elle fait. Je peux aller regarder dans son téléphone. Elle est ma propriété désormais. Cette pulsion patriarcale est toujours extrêmement présente. C'est aussi, de mon point de vue, un invariant. Alors après avoir dit qu'est-ce qui, de mon point de vue, ne change pas, je voudrais aborder ce qui change. Ce qui a changé, j'allais dire, dans les 15 dernières années, un peu après l'apparition des tubes pornographiques. Cet accès précoce, gratuit à la pornographie crée des addictions. Il y a des jeunes de 9-10 ans qui consomment 3 heures de pornographie chaque jour. Je ne vous dis pas dans quel état psychologique on est susceptible de les retrouver. Mais ça porte un nom, ça s'appelle une addiction. Et l'addiction, c'est le résultat du fait qu'on est choqué par les images, mais qu'en même temps, ça provoque du plaisir et du désir. Cette rencontre explosive de deux ingrédients que sont le fait d'être choqué par ces images, mais le fait d'être attiré et d'être sollicité et que ça puisse provoquer du plaisir, entraîne l'addiction. Ces addictions, c'est neuf. Ça vient de sortir, ça hypersexualise ceux qui sont touchés par cela. Et les deux effets négatifs de cela, c'est que la pornographie est une éducation au non-consentement. Récemment, j'avais l'occasion de dire publiquement à l'ancienne ministre de l'égalité homme-femme, « Madame, vous avez fait une loi contre les pinceurs de fesses à la porte de la chapelle, mais qu'est-ce que vous faites pour ne pas éduquer nos enfants au non-consentement ?» Parce que quand on les éduque à la sexualité en passant par la pornographie, on leur dit en substance, une femme qui dit non, en fait, elle dit oui, parce que si on la fait bien jouir, elle verra qu'elle avait tort de dire non. Donc, servez-vous, quoi. Si vous êtes vraiment viril, elles seront contentes. Ça, c'est complètement nouveau. Et l'autre élément de ce lexique de la sexualité masculine, où on informe de tous les orifices qui sont utilisables, etc., de ce lexique de la sexualité masculine et pas féminine, c'est le mépris de la femme. Alors, les marchands de sexualité sur film, qui défendent leur beefsteak, ils disent « Mais ça les gêne pas, les jeunes. De toute façon, ça ne change pas leur sexualité. » Un, ça c'est faux, et ça a été démontré. Ça modifie, la sexualité des ados se modifie à mesure de la consommation de pornographie et de la précocité de cette consommation. Mais ça modifie aussi la sexualité des adultes. L'expérience a été faite. Vous montrez de la pédopornographie à une centaine d'adultes de 30 ans avant avoir vu les films. Il y a 1% qui sont intéressés par des films de pédopornographie. Une fois qu'ils en ont vu une heure, c'est 8%. Donc, ça modifie la sexualité. Puis j'ai un autre exemple à vous donner concernant cela. Quand on dit « ça n'a pas changé la sexualité des Français », je dis non. Il y a un geste sexuel qui ne présente aucun intérêt ni pour les hommes ni pour les femmes, qui est l'éjaculation faciale. Ça n'existait pas il y a 50 ans. Personne n'en parlait, même dans les romans les plus érotiques. Mais elle a un avantage pour la pornographie. C'est qu'elle montre en même temps l'éjaculation et la jouissance masculine et l'humiliation de la femme. Et donc c'est tout bénef pour la pornographie. Donc cette hypersexualisation qui se fait au détriment de l'image des femmes, qui sont salies au passage et transformées en objets, pour moi c'est un élément de changement massif. C'est étonnant que notre société s'étonne de l'augmentation de la violence sexuelle alors qu'elle ne respecte pas la loi de la protection des mineurs. Essayez voir de descendre sur la place Kléber et de distribuer des images pornographiques à des jeunes mineurs. Vous ne terminez pas la journée sans être arrêté. Mais les milliardaires du sexe, ils peuvent faire ça toute la journée et ils ne sont pas arrêtés. La loi vaut pour les 100 grades. Elle ne vaut pas pour les milliardaires du sexe. Ils n'ont pas besoin de respecter la loi de la France sur la protection des mineurs. Et le citoyen que je suis demande depuis 20 ans qu'on attaque les fournisseurs d'accès et les sites pornographiques qui demandent aux jeunes « T'as 18 ans ? Oui, non, oui, c'est bon, tu peux continuer. » De qui se moque-t-on ?
Autre chose qui a changé, c'est qu'on est rentré depuis une vingtaine d'années dans ce que les psychiatres, et notamment l'un que nous invitons souvent ici, ont appelé la société de l'extimité. J'ai acheté un nouveau string, je le montre sur Instagram à toutes mes copines. Société de l'extimité qui ne va pas qu'au nouveau string. Ça va également dans quelque chose qui était secret jusqu'à présent, qui était la nature des relations sexuelles. Il n'y a pas plus grand secret que les relations sexuelles. Elles sont désormais, pour certains et pour certaines, en lieu et place publique. Or ça, je considérais que les humains étaient, avec les grands primates, les seuls à se cacher pour faire l'amour. Ben, c'est plus vrai, plus tout à fait vrai, et je pense que c'est un des cadeaux de la pornographie. Autre chose qui a changé, c'est la libération de la parole. La honte a changé de camp. Tout à l'heure, on disait qu'une personne sur 10 a subi un inceste. Dans nos consultations, on se rend bien compte qu'une personne sur 5 a subi des violences sexuelles, que ce soit en intrafamilial ou pas, et que ceci a parfois des conséquences sur leur corps qui sont définitifs, avec des maladies qu'on n'arrive pas à expliquer, maladies auto-immunes, et on passe d'une maladie à l'autre, et on ne sait pas expliquer. Et quand on pose des questions, parfois la première réponse est négative, et puis parfois 3-4 mois plus tard, la patiente revient et vous dit « Vous savez, vous m'avez posé une question, vous étiez le seul à me poser une question là-dessus. Ben, il faut que je vous dise, quand j'avais 6 ans, voilà ce qui m'est arrivé. » Les traces sont indélébiles, difficile de soigner cela. Alors, est-ce que c'est nouveau ça? Non, probablement pas. Notre pays est un vieux pays d'inceste et tout le monde le sait. Mais on commence seulement à bouger là-dessus. Et je trouve que ça, c'est bien que la honte change de camp et que des grandes personnalités soient obligées de se cacher pour pouvoir continuer d'exister. C'est une bonne chose. Autre chose qui change, c'est les modalités du consentement. Certains disent on ne va plus pouvoir se draguer tranquillement sans qu'on puisse être accusé 20 ans plus tard de. Je ne trouve pas que ce soit vrai. Le consentement fait des progrès. La demande de consentement et le fait qu'il puisse y avoir du légal, du pénal derrière le non-respect du consentement, je trouve que c'est un progrès. Et je trouve qu'on doit un peu ça à cette libération de la parole. Le consentement met fin ou diminue les facteurs de violence. Autre chose qui change, il n'y avait pas, il y a 20 ans, autant de viols de mineurs par des mineurs. Ce chiffre est un chiffre tabou, mais on est à plus de 10 000 viols de mineurs par des mineurs par an. Certains ne donnent même pas lieu à des procédures parce que les jeunes sont tellement jeunes que la police et tout le monde préfèrent fermer le dossier et ne pas en parler. Et dans les archives, il y a eu plusieurs livres écrits là-dessus, il y a une vraie modification des rapports entre les jeunes. J'en veux pour preuve d'avoir été appelé souvent pour des interventions en milieu scolaire plus tôt que je ne le faisais en classe de 3e par des directeurs d'école qui me disaient qu'il y avait des fellations collectives dans les toilettes. Mais où ils ont appris ça, les jeunes ? Où, d'où ça vient? Est-ce que les images que nous faisons pour des adultes qui ont envie de ça, et ceux que je ne critique pas du tout, est-ce qu'elles sont faites pour être distribuées aux mineurs? Ma réponse est non. Autre chose qui change, c'est la dissociation qui a été bien expliquée par nos jeunes qui ont fait un topo magnifique entre sexualité et reproduction. Ma génération a fait un mélange. Vous ne pouvez pas amener une fille à la maison sans que le papa demande « Mais quand est-ce que vous allez vous marier ?» C'était une espèce de pression familiale sur les enfants. Celle-ci a disparu. Les jeunes font une vraie différence. C'est peut-être un effet tardif de la contraception, mais sexualité et reproduction sont désormais disjoints, de même que sont disjoints sexe et amour. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent
en ayant le besoin d'avoir une histoire amoureuse, et puis il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. Et donc la dissociation n'est plus une cause d'être montré du doigt. Enfin, le harcèlement sur des thèmes sexuels est, de mon point de vue, en train de diminuer. Alors, en conclusion, j'ai deux choses à dire. Les ados ne sont plus aussi protégés qu'avant par la cellule familiale. Et j'ai reçu pas mal de courriers, de collègues, de parents qui disent « Mais comment peut-on aujourd'hui protéger nos adolescents ?» Il est vrai que c'est plus dur d'élever un adolescent aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Ça, c'est clair. L'adolescent, il sort de la maison et il est confronté à des images, à des collègues, à des pratiques sexuelles qu'il y a 30 ans, les jeunes ne rencontraient pas. Et donc, c'est plus dur d'élever des ados. Et je voudrais terminer en abordant la place des parents par rapport à la sexualité des enfants et des ados. Il y a une place que je ne leur conteste pas du tout et où ils sont les seuls à pouvoir jouer un rôle, c'est ce que j'appellerais l'éducation à la morale et au respect de soi. Quand ça, c'est pas fait, plus personne ne peut le rattraper plus tard. Il n'y a que les parents qui soient licites pour dire « Je ne veux pas que tu fasses ci et je ne veux pas que tu fasses ça dans notre famille, avec notre religion. Ceci, on l'accepte, ceci, on ne l'accepte pas. » Après, l'enfant, il en fera son affaire de respecter ou de ne pas respecter les oukases moraux. Mais un maître ou un médecin n'ont pas le droit de s'insérer dans l'éducation morale d'un enfant. Et si les parents n'ont pas appris à un enfant à se respecter lui-même, aucun maître ne pourra le faire ultérieurement. En revanche, les parents sont très mal placés pour aborder l'information à la sexualité. Il faut du tiers pour cela, pour trois raisons. Première raison, les parents sont les objets sexuels primaires des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant rêve sexuellement de ses parents, il rêve de l'épouser, il rêve sexuellement de ses parents, et c'est même ce qui caractérise l'enfance. Et un ado, ben, il tourne son regard vers des objets sexuels secondaires, ce en quoi il a l'impression de tromper ses parents. Il est dans une tromperie amoureuse. Bien sûr qu'il n'a pas envie d'en parler. Bien sûr que le moment où il aurait le plus besoin d'être protégé, c'est le moment où il va se produire une espèce de scotome. Les parents sont toujours les derniers informés en ce domaine et c'est quelque chose de normal. Mais il y a une deuxième raison qui empêche les parents d'aborder la sexualité. C'est que vous ne pouvez pas du même pas de danse produire de l'interdit et de la licence. Un père qui dit à son garçon « Viens voir par ici, je vais t'expliquer comment on utilise un préservatif », ça veut dire quoi? Ça veut dire « Mon père m'autorise et me demande d'utiliser ». Mais non, c'est pas le rôle d'un père, c'est pas le rôle d'une mère. De répondre à des questions qui viendraient sur ce sujet et d'être un bon mur de tennis qui renvoie correctement la balle et qui n'évite pas, ça oui. Mais si la question ne vient pas, c'est qu'elle ne peut pas venir à l'égard de ce parent-là, fût-il ouvert. Et la troisième raison, en dehors de licence interdite, Œdipe et pas Œdipe, c'est que quand on parle de sexe à un adolescent, peu ou prou, on parle de sa propre sexualité. Et s'il y a une chose que les jeunes ne veulent pas aborder, et même pas entendre, et même pas soulever le voile, c'est sur la sexualité de ses propres parents. Donc, exit les parents pour parler de sexualité à des enfants, et éventuellement si les enfants sonnent à la porte en disant « j'aimerais que tu me parles de ça », mais c'est assez rare, et puis c'est plus tardif. C'est pas à 12-13 ans, c'est beaucoup plus tard. Et je pense que l'information à la sexualité, ça n'est pas une affaire de famille. Et c'est là où il y a une défaillance terrible de l'éducation nationale. En voix off, le ministre de l'éducation nationale reconnaît un très grand défaut de la présence de l'éducation nationale sur l'information à la sexualité. En voix officielle, ah non, on fait tout ce qu'il faut, 75% des écoles ont tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, on a fait ce qu'il fallait. Faux, gravement faux, et tant qu'ils sont dans le déni à l'éducation nationale, on a peu de chances d'avancer sur ce sujet et
même l'éducation nationale a besoin de tiers qu'elle n'a même pas commencé de former. Et donc, on n'est pas très bien par rapport aux pays qui nous entourent de ce point de vue-là. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On va maintenant écouter Catherine Blanc, qui a la double casquette à la fois d'être psychanalyste et sexologue, et qui a travaillé sur de nombreux articles et coordonné des travaux de recherche sur le développement psychoaffectif. On vous écoute. Alors, quand je reçois dans mon cabinet des patients adultes, patients et patientes, assez naturellement, quand ils essaient de comprendre ce qui fait leur sexualité en difficulté, quel que soit le type de difficulté, ils interrogent eux-mêmes tout de suite la responsabilité de leur propre éducation reçue. Les souffrances liées au silence, liées aux tabous, aux interdits posés. Donc ils se disent que certainement, de mon temps, on ne me parlait pas de sexualité, d'où ma difficulté d'adulte aujourd'hui. Quand d'autres, au contraire, c'est toute la confrontation avec ce qu'était la vie de leurs parents, la sexualité, l'exhibition, le cas échéant, verbal ou physique, ou aussi les expériences malheureuses qu'ils auront pu rencontrer et qui auront brusqué leur cœur d'enfant. Donc assez naturellement, évidemment, c'est toujours cette idée d'éducation qui est à l'origine de ce qui fera notre sexualité d'adulte. Les trop ou les pas assez. Et souvent, il m'est posé la question de faut-il parler de sexualité avec les enfants, et je vous rejoins, Israël, là-dessus, ou ne faut-il pas? Eh bien, justement, le fil est extrêmement délicat entre oui et non. Et évidemment, selon l'enfant, selon le désir de l'enfant, selon l'élan de l'enfant, la position de l'adulte doit être différente. Lorsque je vous parle de mes patients, ces patients, c'est vous et moi, en fait. Nous sommes tous ces adultes qui avons construit notre vie d'hommes et de femmes, sexués et sexuels, sur le fil du rasoir, entre nos désirs et nos peurs, nos inquiétudes, nos tabous, nos grands élans de liberté. Et donc, réfléchir à la sexualité de nos enfants, c'est un risque. C'est inévitable, c'est nécessaire, et heureusement que ce forum est là pour prendre le temps de ce sujet. Et c'est aussi risqué. Risqué parce que nous sommes enclins à réfléchir les choses du point de vue de notre humanité, de notre émotion personnelle et de notre histoire personnelle. C'est d'ailleurs intéressant de voir que tout au long de l'histoire, il y a toujours eu un contour de la sexualité acceptable ou souhaitable, selon que c'est une injonction ou un accord tacite, qui dépendait évidemment d'une société d'adultes qui pensait la sexualité, et cette sexualité évidemment était pensée en fonction de ce que cette sexualité d'adulte vivait à ce moment-là. C'est pour ça qu'on trouve tout au long de l'histoire des grands courants de liberté et de grandes austérités qui font suite. Selon ce que l'on a vécu, on veut réparer notre propre enfance, et du coup nous sommes tentés de projeter sur l'enfance que nous mettons au monde nos propres peurs, nos propres désirs, nos propres inquiétudes. Donc je dirais que pour essayer de réfléchir la sexualité de nos enfants, il nous faudrait déjà réfléchir notre sexualité, nous mettre en paix avec notre sexualité, pour pouvoir faire un pas de recul, enlever l'affect qui est le nôtre, si tant est que ce soit possible de l'enlever complètement, pour pouvoir avoir un discours, une réflexion apaisée, pour écouter ce qu'une nouvelle génération, inévitablement confrontée à d'autres événements sociaux, hein, il y a eu des générations avec des guerres, il y a eu des générations avec aujourd'hui l'hyper-communication, l'hyper-image partout. Donc selon les accidents ou au contraire les victoires d'une société, chaque génération a à s'adapter avec les nouvelles normes, bien sûr. Et nous serions tentés de juger ce à quoi ils sont confrontés, ce vers quoi ils tendent, en fonction de ce que nous n'aimerions pas vivre ou ce que nous avons vécu et connaissons que trop bien et voulons les protéger, alors que de toute façon, il y a un rythme qui est le rythme de la vie qui nous échappe, nous effraie peut-être, mais qui sera leur monde à eux.
Donc, comprendre leur monde à eux sans venir y mêler le nôtre, tout en les enrichissant de ce que nous avons parcouru, parce qu'on ne démarre jamais d'une page vierge quand nous construisons, évidemment, une vie, même si elle part à partir de la naissance d'un individu, elle est déjà riche des individus qui ont précédé. La sexualité n'est pas innée, sauf à considérer que ce qui est inné, c'est l'élan de vie, qui est l'élan, j'allais dire, le besoin vital, mais entendons-nous bien, le besoin vital pour la survie de nos gènes. Donc c'est un élan de vie à but reproductif, oui, mais la sexualité n'est pas, si on la réduisait à cela, ce serait une sexualité qui correspondrait au coït animal, comme vous le disiez très bien. La sexualité est bien autre chose, comme le disait donc le docteur Nizan tout à l'heure. Nous avons un processus, contrairement, alors même les anthropoïdes supérieurs, mais contrairement au monde animal, un processus qui est ralenti entre le pulsionnel et le fonctionnel. Et c'est ce processus ralenti qui nous fait finalement être très en retard sur le monde animal, qui va faire que nous allons construire, réfléchir, nous nourrir de un élan qui fait une question, qui tente une réponse, mais qui n'est pas encore prêt à la réponse, puisque les corps ne sont pas encore en fonction, et qui entraîne le fait que nous allons emmagasiner une somme de données incroyables qui va faire la construction de nos fantasmes, la construction de ce que sera plus tard la richesse de notre sexualité. Donc nous ne pouvons pas non plus réfléchir à la sexualité de nos enfants sans comprendre comment elle se nourrit et se construit pas à pas. Alors souvent, on trouve ça pénible, surtout quand c'est dans la bouche d'une psy, on trouve ça chiant, parce que c'est un truc intellectuel, le physique, c'est du corporel, on va pas tout réfléchir, c'est pas tempête sous un crâne. Eh bien si, un être humain, c'est tempête sous un crâne. Mais quelle merveille, quelle richesse! C'est ce qui fait en effet que lui va distinguer la blonde de la brune, le grand du petit, et qui va tout d'un coup l'émouvoir, puisque la sexualité, même si aujourd'hui la jeunesse dit séparer sexualité et amour, au sens de tomber amoureux l'un de l'autre pour construire une vie ensemble, le cas échéant, en réalité il est toujours question d'amour, au moins au sens d'être aimé. C'est d'ailleurs ce que vous disiez très bien, c'est pour être aimé, Louisa, pour être aimé, on est capable de poser des actes qui nous permettront de créer un lien, quand bien même l'acte lui-même n'est pas celui que nous souhaitions. Parce que celui que nous souhaitons est autre, ô combien plus important, puisque narcissisant, c'est participer d'une société, participer d'une rencontre, participer d'une relation, d'un groupe amical, prendre sa place d'homme et de femme dans notre société. Et la sexualité en est un moyen. Et pas toujours l'expression, en effet, du désir recherché. Alors donc, il faut essayer de comprendre comment se construit cette sexualité et depuis quand. L'adolescence, point du tout. La petite enfance au moment de l'éveil du pulsionnel sexuel, 2 ans et demi, pas encore. C'est encore avant. Comprenons les choses. En fait, quand un enfant est tout petit, quand il est nourrisson, il est une espèce de corps dont il ne comprend pas les tenants et aboutissants et dont il ne comprend que ce que lui renvoie finalement le regard de sa mère ou celle qui aura fait office d'eux dans son soin. Donc dans un premier temps, il est l'objet de cette mère qui prendra soin de lui ou pas. Et très vite, dans un premier temps, puisque son mode de communication va être exclusivement oral, puisque c'est par le biais de la tétée que se fait évidemment ce rapport intime entre sa mère et lui, eh bien, il va d'abord subir le sein, subir le biberon, et puis petit à petit, il va s'approprier cette zone qui est la zone orale et découvrir un truc extraordinaire, il va pouvoir refuser le sein ou le biberon, quand bien même il a faim. Il va pouvoir faire l'amour, il va pouvoir serrer les mâchoires, il va pouvoir recracher les bouillies, et il jubile à ce bonheur incroyable de devenir une personne, parce qu'il finit par être sujet ayant un pouvoir sur le personnage tout puissant que représentait son parent.
Puis il va se passer la même chose dans sa découverte de son corps au niveau de ses sphincters, puisque dans un premier temps, il est à la merci de celui ou de celle qui le change, qui le fait propre, qui le fait se sentir bien. Et puis petit à petit, en même temps qu'il acquiert la position de la marche, monter des marches, descendre des marches, il acquiert la maîtrise de ses sphincters et il va pouvoir, une fois encore, emmerder au sens propre du terme et figuré du terme sa mère. Ou son père, hein, peu importe, je dis sa mère, voilà, c'est un peu classique, c'est un peu old school, excusez-moi. Et ce moment est un moment, encore une fois, de pouvoir extraordinaire. Et ce sont ces deux premières phases qui vont permettre cette autre phase au moment de l'éveil de la génitalité, c'est-à-dire, bien sûr, que le sexe ne se réveille pas, il n'est pas sensible tout d'un coup. Tout le corps a toujours été sensible, mais il le découvre. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que cette zone-là, il a la compétence de la concevoir et la compétence de voir à l'extérieur que de ce sexe existe chez les autres. Il se met d'ailleurs dans le langage à bien comprendre le « il », le « elle », à mettre deux pronoms quand il fait une phrase. Le chien « il » a fait ça, la chienne « elle » a fait ça. C'est un garçon ou c'est une fille ? C'est extrêmement important puisqu'il va pouvoir se définir lui-même. Et donc, là encore, c'est un outil, et le sexe va devenir un outil, un argument de pouvoir. À cela va s'ajouter le fait c'est une période d'exhibition, c'est une période de masturbation extraordinaire dont nous ne nous souvenons plus. D'ailleurs, c'est amusant, souvent, les hommes, les femmes surtout, disent « Oh, moi, je ne me suis jamais masturbée ». Et puis quand on a des enfants, on observe que quand même, peut-être, on s'est un peu trompé sur la chose, les enfants sont très préoccupés, ils ont compris qu'il y avait un truc super, comme on a longtemps le doigt dans la bouche, et bien à un moment donné, on a le doigt dans la culotte. Et oui, c'est extrêmement intéressant, c'est jubilatoire, et d'ailleurs l'enfant a bien compris que ça avait un pouvoir d'effrayer, puisque quand il le fait en public, tout d'un coup, on lui dit que c'est pas bien, que c'est sale, qu'il ne doit pas le faire ici ou pas là. Et là, il a bien compris qu'il avait aussi un argument de pouvoir extraordinaire. Donc tout ça pour vous dire que l'éveil d'un individu se fait dans la découverte de devenir sujet par une opposition, ce qui lui permettra à cette opposition de pouvoir être désirant, pouvoir s'affirmer, affirmer ce dont il a besoin, ce qu'il est, et va lui permettre une communication avec l'extérieur et avec les autres. Les autres petites familles, mais les autres sociétés. Donc vous comprenez bien que toutes ces découvertes personnelles sont en interaction avec ce qui se joue dans la cellule familiale et dans la société. Et donc évidemment, on va regarder, l'enfant va puiser, il va faire son marché tous les jours, puisque je vous rappelle que le cerveau d'un petit enfant, c'est un ordinateur extraordinaire, extraordinaire. Au début, il y a un mot et après, il arrive à séquencer et en faire une phrase sur la base de rien. Apprendre une langue étrangère aujourd'hui, on le fait sur la base de notre compréhension d'une langue. L'enfant, sur la base de rien, il va arriver à découvrir une langue et les subtilités de cette langue. Donc évidemment que tout ce qu'il va puiser des rapports qu'ont les parents les uns avec les autres, les hommes avec les femmes, les hommes entre eux, les femmes entre elles, la société et tous les modes d'information, et Dieu sait que nous sommes baignés dans l'information aujourd'hui, tout ça il va le mettre dans son petit panier et va le ressortir pour raconter des choses de lui-même, comprendre des choses de lui-même, interagir avec ces données-là. Et donc évidemment que toute la difficulté qui va être la nôtre de parents, ça va être justement de comprendre comment nous intervenons là-dedans. Parce que l'enfant va construire ses idées, mais dans un monde où, puisque la pornographie que nous avons évidemment évoquée est extrêmement... Encore une fois, ce n'est pas une critique de la pornographie, comme si c'était, j'allais dire, un truc sale, immonde, au sens que c'est... Ça raconte des choses de la sexualité. Fondamentalement, si nous mettons une caméra en gros plan sur notre acte sexuel, vous et moi, c'est pornographique parce que c'est une réduction d'une situation. Et à vrai dire, est-ce que c'est toujours très esthétique ? Peut-être pas. Mais c'est ça qu'on regarde et c'est ça qui nous excite parce qu'on a regardé par le trou de la serrure quelque chose qui se passe entre deux autres individus et on est excité à l'idée d'eux. Ceci étant, on est excité à l'idée de quelque chose, puis on s'évalue, est-ce que je serais capable de faire pareil ? Ou on s'évalue, qu'est-ce qu'on me ferait ? Est-ce qu'on me fait ça ? Est-ce que j'aimerais que l'on me fasse ça ? Finalement, ce qui fait que la pornographie est délétère, c'est un,
qu'elle montre une sexualité qui n'existe pas, si ce n'est encore une fois le gros plan sur le sexe, que nous sommes tous capables de faire. Mais sinon, la durée de l'acte, la quantité de sperme, la durée des érections, il faut savoir quand même aller voir dans les coulisses ou interroger les coulisses de la pornographie, on est loin de ce qui se voit. En plus, évidemment, on a changé même pour que ça soit plus visible, on a enlevé les poils pour y voir plus clair. Et comme ça, au moins, on voit bien tout. Si on pouvait mettre une caméra à l'intérieur, ce serait aussi formidable pour voir où est-ce que ça tilte comme un flipper. Donc, en fait, ça, c'est délétère, évidemment, parce qu'on se compare, on montre une image qui est fausse, une image, comme vous le disiez très justement, des rapports hommes-femmes extrêmement violents. Même si aujourd'hui la pornographie se targue de vouloir justement faire entrer le fantasme féminin, mettre plus en avant l'idée féminine, etc. Mais de toute façon, on en revient toujours à un modèle initial auquel abonde aujourd'hui tout un groupe de femmes pour essayer d'y retirer son épingle du jeu. Et il n'est pas question d'ailleurs de les en accuser, juste le réfléchir. En fait, ce qui est grave, c'est qu'on ne puisse pas le réfléchir. Et le problème de la pornographie, évidemment, je dis pornographie, mais toutes sortes de pornographies, hein, bien évidemment, même les blagounettes que nous aimons bien sortir les uns et les autres, qui sont ou sexistes ou vulgaires, il y a quelque chose de pornographique aussi là-dedans. Eh bien, c'est surtout qu'il n'y a pas de possibilité d'imaginaire. En fait, je crois qu'aujourd'hui, ce à quoi nos enfants sont confrontés, ce... sans nier le monde dans lequel ils sont, auquel ils appartiennent, ils auront toutes ces techniques informatiques qui vont encore aller de plus en plus vite. Mais le problème, c'est qu'ils ont des écrans là. C'est un peu la critique que l'on faisait, encore un truc old school, qu'on faisait entre le livre et le film. Le livre permet de lire une histoire qui nous fait imaginer et mettre en scène. Deux personnes qui lisent le même livre n'ont pas vu les mêmes personnages. L'un est grand, l'autre est petit, l'autre est gros, elle est blonde, il est musclé, il est fragile. Parce que chacun va se projeter dans ce livre et va y mettre des choses de son propre imaginaire, de ses propres fantasmes. Alors que le film va avoir enfermé, réduit et donné une direction à la lecture imaginaire. Eh bien, la pornographie est encore pire. Puisque là, l'écran est tout près, il n'y a plus de contexte, il n'y a pas la lumière qui s'est éteinte, il n'y a pas le voisin qu'on entend, il n'y a pas la peur de la mère qui est derrière la porte, il n'y a pas, les chaussettes qui sont au bas du lit qu'on a poussées délicatement pour ne pas les voir, il n'y a pas tout ça, non, il y a une prise qui rentre, une prise qui sort, une prise qui rentre et une prise qui sort. Alors que l'électricité elle-même n'est intéressante que pas parce que la prise, elle rentre dans la prise femelle. C'est toute l'histoire des courants, toute l'histoire de la différence des couleurs. C'est ça qui est intéressant. C'est pas simplement le coït pour le coït. Ce qui est, en fait, on enlèvera. On peut ne pas être amoureux de la personne avec laquelle on fait l'amour. Bien sûr. Mais on a envie d'être aimé et on est surtout porté par de l'émotion. Et en fait, c'est ça qui manque dans la pornographie, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Il n'y a aucune émotion. Or, ce qui est le plus intime, et c'est ça qui, moi, me touche, m'inquiète, c'est que finalement, aujourd'hui, la jeunesse, elle rentre tambour battant dans la sexualité. Alors, finalement, les temps du premier coït n'ont pas vraiment changé en deux, trois générations, à peine de 6 mois. Par contre, ce qui a changé, c'est l'ordre de ce que l'on fait. Finalement, peu de baisers, parce que dans une génération, comme on attendait un certain temps pour le coït, on se paluchait librement et encore, et ça durait des heures, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le baiser, puisque tout coït, presque, est éliminé en quelque sorte, puisque c'était le début du coït. C'était déjà l'apprentissage du coït, de rentrer dans le corps de l'autre, de sentir le côté suave de la bouche de l'autre. C'était déjà l'apprentissage de la sexualité à venir que l'on ferait sans trop la regarder.
et venait après éventuellement ce qu'aujourd'hui on appelle à tort les préliminaires, à savoir le cunnilingus et la fellation, qui éventuellement dans un cadre de tranquillité, de sécurité, pour ne pas se sentir justement acteur porno ou actrice porno, entrait éventuellement ou pas dans le cadre de la sexualité du couple. Aujourd'hui, ces préliminaires sont banalement appliqués, facilement, de façon naturelle, et tant mieux si c'est de façon naturelle. À condition, bien sûr, que ça participe d'un véritable désir, d'une véritable curiosité réciproque, et pas justement de se soumettre à ce qui fera que je ne serai pas du côté des ringues, que je ne serai pas du côté des pudiques. Et donc, finalement, on finit par voir une jeunesse qui va appliquer des codes de la pornographie, c'est-à-dire, quand je dis pornographie, c'est-à-dire dépossédé d'histoire, pour se protéger de ce qui est le plus intime. Et ce qui est le plus intime n'est pas dans la culotte. Ce qui est le plus intime, ce sont les émotions. Et évidemment que quand il n'y a pas d'espace pour ces émotions, les fantasmes créent des émotions. Les fantasmes nourrissent ces émotions ou sont nourris de ces émotions. Et c'est ce qui fait que entre deux partenaires, il y a quelque chose qui se noue avec l'homme, pas parce qu'il est plus gentil, parce que c'est peut-être un partenaire qui va plaquer au mur, mais ça sera délicieux parce qu'il y a des émotions. Et un autre, il sera peut-être très gentil, mais il ne se passera rien, parce qu'il n'y a pas eu de construction, parce qu'il n'y a eu que mécaniquement la sexualité. Donc ce n'est pas la forme de la sexualité qui importe, c'est la liberté des deux individus de se rencontrer. Et évidemment, cette liberté de se rencontrer, c'est aussi la liberté de construire une histoire. Et je ne suis pas en train d'être fleur bleue, pas une histoire romantique nécessairement, mais une histoire pour soi, au moins dans la direction de l'autre. On projette ce qu'est l'autre, on projette ce qu'il pourrait nous apporter, on projette ce qu'on pourrait lui montrer, ce qu'on pourrait lui dire, ce qu'on pourrait devenir à l'orée de l'autre, à l'orée de son corps. Et pour projeter, il faut de l'espace. Il ne faut pas là. Il ne faut pas la pression du copain, de la copine. Encore que ça a toujours existé, hein. Il fallait être dépucelé pour ne pas être la dernière du lot. Donc ça se faisait, oulala, on est combien, plus que, bon allez hop, j'y vais. On ne savait pas très bien sur qui on allait sauter, mais on allait sauter sur quelqu'un. Ça a toujours existé, bien sûr. Mais voilà, notre monde aujourd'hui expose beaucoup plus nos enfants à une urgence et à un manque d'espace pour réfléchir. Alors évidemment, je me suis beaucoup interrogée, savoir est-ce que c'est simplement les réseaux qui sont à l'origine de ça. Je ne crois pas. Je crois que nous avons notre responsabilité de parents. Parce qu'il y a des tas de choses que, sans y prendre garde, nous avons omis. D'abord, nous vivons dans des espaces de proximité avec nos enfants et nous n'avons pas voulu renoncer à nos plaisirs personnels. Tant mieux. Ceci étant, du coup, nous avons baladé nos enfants avec nous, au restaurant, chez nos amis, etc. Et ils jouent là. Et puis nous, on parle. Puis on parle, bien sûr, un peu politique, bien sûr, un peu société, mais on parle beaucoup sexualité, convenons-en. Ou par le biais de blagues, ou par le biais du voisin de la voisine qui ne s'entendent pas en ce moment, ou parce qu'il y a des tensions et qu'on les exprime, parce qu'on est avec des gens proches, ou parce que nous sommes toujours dans l'envie de nous rassurer que nous sommes des êtres proactifs, c'est ce qui nous fait être puissants et reconnus par notre société. Et nos enfants entendent ça en permanence. On se balade avec des téléphones portables, on répond au téléphone n'importe où. On ne se rend même pas compte d'ailleurs que tout le monde suit notre conversation. Avec les oreillettes ou pas les oreillettes, dans les taxis, il n'y a que nous et le chauffeur, mais sinon dans les bus, dans la rue, au restaurant, près de nos enfants. D'ailleurs, on donne le biberon, on a le téléphone comme ça, et puis on continue à faire la cuisine. Et on parle de nos histoires personnelles. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait être pudique, ne parler de rien, mais on expose toujours nos peurs, nos désirs, nos anxiétés, nos frustrations en permanence, et on le laisse à la gestion de l'enfant et de ce qu'il peut en comprendre. Et puis il y a aussi notre vocabulaire. Notre vocabulaire s'est terriblement appauvri. Et il s'est beaucoup vulgarisé. Et il a emprunté comme vulgarité, bien sûr, à
tout le vocabulaire sexuel, ses modes de communication. Alors sur tout et n'importe quoi, il y a du sexe qui sort sur quelqu'un dans la rue qui vous a laissé passer, ben ça devient un enculé. Je ne sais pas s'il a été enculé, mais c'est un enculé. C'est un PD. On ne sait pas non plus s'il est homosexuel, mais c'est un PD. Et évidemment que notre violence s'exprime avec des mots que les enfants rapportent et on se dit, oh là là, mais il apprend des choses à l'école. Parce que vous croyez que ce sont les maîtresses et les maîtres qui apprennent ça aux enfants à l'école ? Non, c'est dans la cour. Et dans la cour, mais les enfants, ils l'ont sorti où ? Du bac à sable ? Non ? Alors des plus grands, on va dire. Des ados, pour les petits. Mais nous, on est où dans tout ça ? Il n'est pas question d'être pudique. Il n'est pas question d'être pudibond, prude, pas du tout. Mais d'ouvrir le champ de notre propre langage, pour ouvrir le champ de langage de l'enfant, pour qu'il ne soit pas omnibilé par un seul discours qu'il entend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la sexualité. Même un film de guerre, il faut qu'il y ait une scène où, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ils font l'amour. Instinct de survie, pulsion de vie, je ne sais pas, mais bon, c'est important, sinon le film ne fonctionnera pas. Donc en fait, je crois que ce qu'il nous faut comprendre, enfin en tout cas c'est comme ça que moi j'entends la sexualité, parce que la sexualité est une aventure merveilleuse, vraiment merveilleuse. On peut la vivre tous les jours, on peut la vivre une fois par mois, on peut la vivre une fois tous les 6 mois. Tâchons qu'elle soit merveilleuse. Et pour qu'elle soit merveilleuse, il faut bien considérer que c'est pas parce que nos sexes nous grattent. On va pas en mourir si on ne les touche pas ou si on ne les utilise pas. Le seul risque, c'est qu'on ne fasse pas d'enfants et que nos gènes ne nous survivent pas. Voilà. Mais sinon, contrairement à manger, uriner, déféquer, respirer, ce n'est pas obligatoire. On n'en meurt pas. Donc en fait, je crois qu'il faut considérer la sexualité comme étant une conversation. C'est une conversation corporelle, où chacun va raconter des choses, c'est le mime Marceau, va raconter des choses à l'autre, qui comprend ou pas. Donc il y a plein de malentendus, il y a plein de loupés, mais c'est pas grave, parce qu'on apprend de ça, parce que c'est aussi ce qui fait beaucoup, beaucoup d'émotions. Je me souviens d'un monsieur qui me racontait hilar une scène où il était dans un hôtel avec une femme qu'il avait... Il se séduisait depuis un certain temps, puis ils avaient envie de faire l'amour, donc ils se retrouvent enfin dans cette chambre d'hôtel. Et comme le monsieur de longue date avait été en couple, il n'avait pas mis de préservatif de très longue date. Et là, il était évidemment avec sa boîte de préservatif comme un adolescent. Il n'y est pas arrivé. Le premier, il se l'est claqué sur le pénis, il a débandé. Le deuxième, il s'est déchiré. Le troisième. Et c'est devenu une scène extrêmement drôle. Et les deux, ils n'ont jamais pu faire l'amour. Et les deux ont fini par dire « c'est ma plus belle nuit ». Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on puisse communiquer à nos enfants. Or, la pornographie ne leur font entendre que la performance. Donc, c'est justement leur offrir la possibilité de voir que dans tous ces à peu près, dans tous ces silences, eh bien, se fabrique une communication, une conversation avec l'autre, qui va se faire toute leur vie durant et s'enrichir toute leur vie durant. Et ils sont, dès le début de cette conversation, des adultes et des adultes en devenir, comme chacun de nous ici. Je vous remercie. Je remercie les intervenants. On va maintenant débattre un petit peu de manière un peu courte pour pouvoir laisser aussi les questions de la salle. Donc je fais maintenant place au débat. «
Merci beaucoup. En effet, on va faire relativement court la partie débat parce que j'aimerais vraiment que le public puisse intervenir et les internautes aussi parce qu'on a pas mal de questions. Il y a juste quelque chose que j'ai cru percevoir en écoutant effectivement premièrement les invariants qu'Israël Nisan a évoqué, dans lequel il y a cette pudeur, cette difficulté de parler de sexualité. Et en même temps, je trouve que j'ai été assez marqué par le contraste par les deux jeunes qui se sont exprimés au début et qui ont l'air de pouvoir parler assez librement, en tout cas de manière beaucoup plus libre que les gens de ma génération peut-être. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est propre à votre génération ou si effectivement c'est quelque chose qui, simplement, peut-être dans les cabinets de psy aussi, vous pourrez nous dire, est-ce que la parole est plus libre, est-ce que c'est plus simple finalement de parler de sexualité aujourd'hui qu'à l'époque de vos parents, comme on l'évoque ? Je dirais qu'on s'est rendu compte qu'il fallait en parler, surtout. Je pense, j'ai parlé des pages Instagram, par exemple, à l'éducation à la sexualité, aussi à l'aide aux victimes. Et sur ces pages-là, ils libèrent totalement la parole, ils parlent vraiment librement de sexualité. Et je pense qu'on est très nombreux à suivre ce genre de pages et à les trouver très enrichissantes. Et, ouais, très enrichissantes. Yanni ? Je dirais que la sexualité, c'est quelque chose que oui, on est, enfin, notre génération est peut-être plus capable d'en parler, mais c'est pas pour autant que c'est un sujet qui est facile pour nous. Anna et moi, on a eu la capacité de pouvoir en parler, mais c'est pas quelque chose qui est propre à notre génération. Et il y a encore plein de jeunes, je pense, qui en font un tabou et pour qui c'est compliqué d'en discuter, je pense. Louisa, est-ce que tu... Je pense aussi qu'on n'en parle pas n'importe où et à n'importe qui, peut-être. Sinon c'est questionnant et que peut-être il y a aussi des gens d'autres générations qui ont ouvert aussi les possibilités à la parole des nouvelles générations, que ce soit des mouvements comme le planning, etc., enfin des associations qui sont très actives et qui aident aussi à ce qu'il y ait des lieux où on puisse en parler. Mais pour rebondir sur ce que disait le professeur Nisan aussi, c'est l'importance même dans la parole en fait c'est de l'imaginaire aussi. Même si on parle, on est dans une rencontre, en fait. Il y a du malentendu, hein, pour rebondir. Il y a de l'espace. Et c'est l'importance du voile, en fait. Hein, c'est ce que tout le monde a souligné, finalement, l'importance du voile pour amener de l'imagination qui va colmater l'angoisse. Et donc, cette parole, soit elle est plus post-traumatique, et alors on va la poser parce qu'on a besoin qu'elle sorte, on a besoin d'être réparé, on a besoin de l'exprimer, et puis soit effectivement dans un lieu où on sait qu'on peut être écouté dans son intimité, etc., travailler là-dessus. Je pense que la parole, elle est quand même plus facile pour les nouvelles générations, mais qu'effectivement, hélas, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui osent quand même encore en parler, quoi. Israël, dans cette dimension justement sacrée, qu'est-ce qui est peut-être aussi en lien avec l'héritage des religions monothéistes, etc., qu'est-ce qui... Moi, j'ai une phrase qui me revient souvent, c'est que la sexualité se nourrit de l'ombre. Nous avons tous besoin d'ombre sur nos pulsions, nos fantasmes. Et mettre de la lumière sur cette ombre-là, c'est d'une certaine manière annihiler quelque chose d'extrêmement personnel. Quelqu'un qui vient raconter, qui viendrait à un repas raconter ses fantasmes, sûr qu'il intéresserait tous les gens autour de la table, qu'il l'écouterait et en même temps le mépriserait. Car on méprise toujours ceux qui ne savent pas garder leur jardin secret. Il n'y a pas plus secret que la sexualité d'un individu. Et je ne pense pas que les générations ultérieures puissent s'affranchir de cette part d'ombre dont nous avons tous besoin sur nos pulsions, nos fantasmes et notre sexualité. Merci. Avant de passer au public, peut-être une question des réseaux sociaux. Eric sur Twitter, l'éducation sexuelle à l'école est-elle en phase avec les mœurs actuelles ? Alors là, on en a déjà un petit peu parlé. Je pense que c'est un élément qui est vraiment important, l'aspect éducatif, parce que si ce ne sont pas les parents qui peuvent faire ce travail, si les associations n'ont pas forcément un accès équivalent à toutes les écoles, ça doit faire partie du socle commun de compétences que d'acquérir un certain nombre d'informations. Est-ce que les informations qu'on donne dans les collèges ou dans les lycées, est-ce qu'elle est adaptée aux évolutions de la société ?
Je dirais que les cours d'éducation sexuelle qui sont dispensés dans les collèges et les lycées se rapprochent plus d'un cours d'anatomie plutôt qu'un cours d'éducation sexuelle. Comme on l'avait dit avec Anna, toutes les questions d'homosexualité et transidentité sont absolument occultées et on nous apprend simplement à mettre un préservatif ou à avoir recours à la contraception le cas échéant, mais au niveau de l'éducation sexuelle, elle est elle est pas en accord avec les mœurs actuelles, je pense. Catherine Blanc. Oui, il faut dire que c'est extrêmement difficile à réfléchir comment éduquer dans le cadre scolaire, puisque dans le cadre scolaire, il y a une classe, tous les enfants de la classe ne sont pas dans le désir de parler ou d'entendre parler. C'est ça la difficulté, c'est le temps de l'enfant, quel que soit l'âge, hein, bien sûr. Et en effet, du coup, l'adulte se retrouve soit à vouloir protéger l'enfant en disant attention, il y a des dangers, je t'apprends ce qui sera un danger de grossesse, etc. Et du coup, sa communication est une communication, la sexualité est dangereuse. Et, ou alors, ça va être, la sexualité c'est super, parlons-en, alors que l'enfant n'est pas nécessairement disposé à en parler avec l'adulte. Donc effectivement, comme vous le disiez très justement, vous avez la compétence à pouvoir le réfléchir, en parler, le communiquer ici devant un parterre d'adultes, ce qui n'est pas le cas de tous, et ce qui fait que, évidemment, ceux qui, comme vous, auraient envie de pouvoir prendre le temps d'échanger, sont à côté d'autres qui sont... qui sont brusqués par ce mécanisme-là ou interdits dans leur histoire personnelle. Et donc, il faudrait presque que ce soit à la demande, ce qui me semble être difficile, mais c'est vraiment quelque chose à réfléchir dans le cadre, effectivement, de l'éducation sexuelle, de l'éducation. Voilà, on va avoir un petit temps d'échange entre le public et les intervenants, ainsi que Yanni et Anna, si vous le souhaitez. Donc, nous faisons place aux questions du public. Alors n'hésitez pas à prendre la parole, soyez rassurés, tout se passera très bien. Je crois que c'est Catherine Rongière, elle est un peu à contre-jour, mais je crois. Bonjour et merci beaucoup pour toutes ces présentations et cette façon de regarder la sexualité chez l'enfant et l'adolescent. Je voulais juste faire une remarque et en même temps poser une question. En fait, Israël Nizan parlait de la place de la femme dans la sexualité, mais j'ai l'impression qu'en fait elle a quand même été depuis très longtemps un objet, elle a plus ou moins toujours été un objet. Ce qui est en fait très embêtant, c'est que c'est visible aujourd'hui, alors qu'avant on le cachait soi-disant puisqu'elle était enfermée chez elle. Donc pour moi c'est quelque chose quand même qui n'a pas changé. Et peut-être que tout ce qui a passé par-dessus, MeToo et autres réseaux qui ont permis d'ouvrir la parole peut permettre un peu de modifier ça, bien que MeToo ne touche pas seulement que les femmes. Mais je pense que malgré tout, l'idée d'avoir comme objet sexuel une femme est quand même quelque chose qui est encore très très présent. Et peut-être que la pornographie justement l'entérine de façon visible, ce qui n'était pas visible avant. Et moi j'aimerais savoir comment, quand on va pouvoir s'en débarrasser de cette situation. Moi il m'a semblé qu'on a toujours une très grande prégnance du patriarcat et la pornographie l'illustre. La pornographie c'est un lexique de la jouissance masculine et des différentes modalités de jouissance masculine. Il commence à y avoir, en matière de pornographie, une mise en image de la jouissance féminine. Mais c'est assez fragmentaire, car le consommateur, celui qui crée les flux d'argent, est le plus souvent ceux qui s'intéressent à la partie imagée la sexualité, c'est plus les hommes. Et donc, très clairement, le marché pornographique s'adresse d'abord à des hommes qui sont susceptibles de mettre de l'argent pour voir des images pornographiques, ce qui est moins le cas des femmes. Mais le patriarcat est prévalent, et pour moi, la pornographie se résume à un almanach de la jouissance masculine et des différentes manières de jouir. D'ailleurs, la jouissance masculine est visible alors que la jouissance féminine fait entendre des cris et des hurlements pour la montrer. Et donc, on est dans une asymétrie d'image
qui est dommageable. Donc pour moi, le patriarcat, cette manière de posséder les femmes une fois qu'on les a eues, entre guillemets, cette manière de considérer d'ailleurs que quand elle veut divorcer, c'est le moment de la zigouiller, c'est des choses qui sont des avatars du patriarcat. On est très loin, à mon sens, d'avoir réglé la question du patriarcat, y compris dans notre pays. Très, très loin. Et je ne vois qu'une seule piste, qui est l'éducation. Mais l'éducation du tout petit garçon, qu'on n'a pas commencé du tout à faire. Oui, Catherine Blanc. Je me permettrai de dire également l'éducation des petites filles pour leur donner les moyens de ne pas être objets. Et souvent, dans la liberté de parole de la femme aujourd'hui, il y a un usage du comportement masculin. Or, c'est par le comportement féminin, par la tranquillité d'être femme, sans se sentir à la merci ou un objet. Donc bien sûr, il faut qu'il y ait des hommes qui laissent ce champ, puisqu'il y a quand même un rapport de force physique, hein, musculaire, qui n'est pas équitable. Mais donner la possibilité à une femme à être en tranquillité d'être une femme, sans être obligée de se grimer en garçon pour se sentir protégée, et en tranquillité de pouvoir poser les limites de l'intrusion, quelle que soit, ne serait-ce que verbale. Donc c'est dans l'éducation des garçons, des petits garçons, mais aussi des petites filles, puisque c'est pas aux hommes non plus de donner aujourd'hui la possibilité aux femmes d'être en tranquillité. Il faut qu'elles l'acquièrent aussi. Une question au fond du... Oui, bonjour et merci pour cette présentation. J'étais professeure au lycée Jean Monnet quand Israël Nisan venait faire de l'éducation à la sexualité dans les classes du lycée. Il avait un fan club, particulièrement les jeunes filles musulmanes. C'était très amusant. Simplement, moi, je voudrais revenir un peu sur le plan social ou sociétal, je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire, mais je voudrais qu'on mette un peu en lumière le rôle des parents dans cette histoire. Nous n'avons jamais eu de ministre de l'éducation progressiste. Je ne me souviens pas, en tous les cas. Et particulièrement pas dans ce domaine-là. Alors, est-ce que ce ne serait pas aux parents de faire bouger un tout petit peu la machine? Il y a des associations de parents, mais à ma connaissance, ils n'ont pas beaucoup demandé qu'il y ait ce genre d'éducation dans les lycées. Alors, est-ce qu'ils sont mal à l'aise? Je pose la question aux psychologues, sexologues, bon, tout ce qui est représenté. Mais je ne comprends pas pourquoi les parents sont tellement figés et tellement peu actifs, ou disons passifs, par rapport à ce problème qui est fondamental. Merci. Alors, je me permets juste de compléter la question, parce que moi je l'avais aussi un petit peu formulée, celle-ci. On a bien compris l'exposé qui consiste à dire que l'éducation sexuelle ne relèverait peut-être pas des parents. Mais dans la sexualité de nos enfants, on vient de parler de la prévention, de l'éducation au consentement, que ce soit pour les petits garçons, pour les petites filles. Ça, est-ce que ça relèverait pas quand même vraiment pour le coup des parents ? Je crois que les parents ont à transmettre déjà dans leur propre relation l'un avec l'autre, parce que c'est comme ça aussi qu'on donne une indication à l'enfant de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et vous avez des couples où il y a une disparité, une autorité de l'un sur l'autre, qui n'est pas nécessairement le masculin sur le féminin, hein, mais en tout cas un rapport de force qui est souvent en souffrance et qui du coup transmet à l'enfant des choses. Donc il faut avoir un discours qui participe aussi de ce sur quoi on chemine soi-même. Et effectivement, la première des choses, je rejoins Israël Nisan quand il dit que le parent, il est le moins bien placé pour éduquer à la sexualité. Et d'ailleurs, l'enfant n'en veut pas. Évidemment qu'il n'en veut pas, sinon il est dans un univers incestueux, en tout cas incestuel. Donc évidemment que ça n'est pas possible qu'il y soit. C'est même, je trouve, vous le disiez très, très bien tous les deux, quand le parent dit « alors t'as un petit copain, t'as une petite copine qui sexualise un enfant qui devrait déjà être en fonction », c'est plus dérangeant qu'autre chose. Donc c'est en amont du sujet de la sexualité, pour éventuellement aborder la sexualité, c'est qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme, mais pas dans l'absolu, pour l'individu. C'est l'accueillir dans son corps, l'accueillir dans ses émotions, lui apprendre le respect de lui-même, le soin qu'il se doit,
et lui apprendre à prendre sa place, aimer ou pas aimer. Or, dans notre société moderne, il y a quelque chose qui, moi, me marque particulièrement, c'est l'absence de frustration. On ne veut plus être frustré et on ne veut pas que nos enfants le soient et nos enfants ne le veulent pas. Ce qui fait des enfants tyranniques, d'un côté, et des parents où on est dans, parce qu'on est poussé à acheter, à posséder, etc. La frustration est une souffrance infinie parce que le voisin, lui, n'est pas frustré a priori. Or, la frustration est nécessaire, absolument nécessaire et structurante, parce qu'elle est ce qui nous fait dire « je vais être grand, j'aurai les moyens d'eux, je ferai ça ». Elle nous permet des projections. Et dans ce truc où on est trop dans la réponse à l'immédiateté, il y a de l'irrespect qu'on n'enseigne pas à nos enfants. Il faut leur apprendre à pouvoir s'ennuyer pour qu'ils créent, à pouvoir être frustrés pour qu'ils désirent, envient, projettent, construisent. Et il faut pouvoir nous-mêmes accepter ces mêmes frustrations. Donc je trouve que l'éducation à la sexualité commence sur ces sujets-là, plutôt que de dire, bon alors, je peux pas, mais bon alors oui, tu veux tout de suite. Les enfants, qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Non, non. C'est au travers de ces petites choses de la vie du quotidien que nous sommes en train de forger un désir tyrannique, qui ne sera d'ailleurs jamais désir, qui ne sera que besoin tyrannique. Israël. Oui, il y a des pays où on sort les petites filles de l'école. Et chez nous, les mêmes cultures souhaiteraient qu'on ne les informe pas. Parce que ça va leur donner des idées. Toutes les cultures du livre ont ça. La culture de la virginité. La femme doit être intacte, l'homme n'a pas besoin de l'être. La culture de la non-information d'une femme, parce qu'une femme qui saurait trop de choses, ça veut dire que c'est une traînée. Et puis, il ne faut pas donner des idées aux jeunes, et surtout pas aux jeunes femmes. C'est pourquoi je pense que l'école met les enfants à égalité. Et c'est de là qu'est venu Info Ado. Je vivais au moment de la création d'Info Ado en banlieue parisienne, et je voyais des petites jeunes femmes de 13-14 ans qui venaient pour des IVG dont la grossesse était née en intrafamilial, avec des jeunes femmes qui étaient incapables de se défendre contre quoi que ce soit, y compris des sévices intrafamiliaux. Et j'avais trouvé ça extrêmement injuste. Mais j'ai trouvé qui sur mon chemin pour m'empêcher de faire un foie d'eau? Tout d'abord les parents. Les associations de parents d'élèves ont été d'une virulence à mon égard terrible. Souvent des associations confessionnelles qui disaient « Monsieur le professeur, c'est une affaire de famille, ne vous mêlez pas, c'est nous qui allons éduquer, mais ils n'éduquaient pas. » Parce que les jeunes continuaient de venir avec des informations sur le fait qu'elles avaient été sollicitées par leurs frères, par leurs cousins en intrafamilial. Donc les parents, ça a été le premier obstacle. Ça l'est moins aujourd'hui depuis le sida. Le sida m'a ouvert des portes, parce que quand les parents se sont rendus compte que dans cette histoire-là, ils pouvaient perdre leurs enfants, ils ont entrouvert la porte et il y avait plein d'établissements scolaires où on informait les jeunes et les parents qu'il allait y avoir une intervention d'un médecin sur le sida. Pour ne pas dire qu'on allait parler de sexualité. Et le deuxième obstacle que j'ai rencontré, ça a été l'éducation nationale. Inspecteur d'académie, monsieur Nizan, vous intervenez en milieu scolaire. Qui vous a autorisé? J'ai dit, attendez, il y a AIDS et il y a les couches Pampers qui font de l'information à la sexualité. Vous leur demandez rien. Et moi qui suis professeur d'université, vous me demandez de montrer patte blanche? J'ai eu des ennuis terribles avec l'inspection d'académie des Yvelines qui me disait, de quel droit, monsieur le professeur? Donc l'éducation nationale a aussi sa part à jouer dans l'inaction et le blocage de tout ce qui pouvait être fait. Et quand l'éducation nationale a bougé, elle a fait des formations de formateurs. Je vais vous dire qui formait les formateurs, des gens qui n'avaient jamais été dans les écoles. C'est pire que pire. C'est juste pas bon, quoi. Et donc,
Envoyer quelqu'un qui ne sait pas faire dans une école devant des classes de 3e, ça se termine très mal. Il aurait mieux valu ne rien faire. Il faut donc former les formateurs. On n'a pas commencé de le faire. Merci les associations de parents d'élèves. Merci l'éducation nationale qui n'a pas bougé. Ils ont mis des préservatifs dans des distributeurs automatiques dans les écoles. On est dans le gadget le plus absolu. C'est n'importe quoi. Donc notre pays est bien propre sur lui. Tous les pays autour de nous, ils éduquent leurs jeunes. Et nous, c'est la porno, rassurez-vous, on n'éduque pas nos jeunes, mais la pornographie le fait à notre place. On a un bilan dans notre pays catastrophique sur ce sujet. Et on n'est même pas à l'orée d'une reconnaissance par le ministre de l'Éducation nationale du déficit considérable en outils, en moyens, en investissement. Enfin, à Strasbourg, un FOADO a vécu sur la générosité, le bénévolat des professionnels et sur la gentillesse d'un directeur d'hôpital qui autorisait les gens à sortir pendant leurs heures où ils devaient soigner des gens pour aller à Jean Monnet, aller dans les écoles. Donc les associations de parents d'élèves ont joué un rôle terrible. Les parents d'élèves n'ont pas aidé du tout. Ça a été le contraire. Et dans l'enseignement privé, j'ai été obligé de faire des soirées avec les parents avant de pouvoir parler aux enfants. Donc, ils voulaient voir si j'étais cachère, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Donc, les parents, je suis désolé de vous le dire, ils sont terriblement rétro. L'éducation nationale est un reflet de ce que sont les parents. Elle est rétro et on est bien propre sur nous. On ne parle pas de ces choses-là à l'école. On a une dernière question dans le public. Justement, merci, je vais en remettre une couche. Qu'est-ce que vous en pensez de la volonté du diocèse de Strasbourg de faire des modules pour les enfants qui vont être catéchisés? Donc en premier, ils commencent pour les 15-17 ans, et ensuite ce sera même pour les plus petits, les 10 ans, et ils parleront justement, point de vue de ça, de la sexualité, tout ça. Et ils avaient même osé dire, à un moment donné dans le programme, qu'ils parleraient des déviances, la pornographie, mais aussi la masturbation. Donc, mais depuis que je leur en ai parlé, dans le futur programme, ce n'est plus indiqué. Mais ce sera peut-être dit à ces jeunes. Alors moi, j'ai une posture un petit peu ambiguë. Ayant été invité aux états généraux de la chrétienté sur une table ronde où j'avais peur de me faire démolir, qui s'appelait « Éducation à la sexualité, deux points, affaires de famille, point d'interrogation », je me suis dit que j'allais me faire démolir, et pas du tout. Il y a une prise de conscience dans l'enseignement catholique de la nécessité d'aborder ces sujets. Mais je crois qu'on leur demande de courir un 100 mètres avec des boulets aux pieds. Parce que quand on est contre la contraception, quand on est contre l'IVG, comment voulez-vous aller parler à des jeunes quand on a aussi peu abordé la question de l'homosexualité et quand on est aussi condamneur de l'homosexualité alors qu'elle ronge les rangs de l'Église? Comment voulez-vous faire ce 100 mètres avec des boulets aux pieds? Donc je dis la chose suivante, c'est qu'avant que personnellement je fasse confiance à l'Église sur ces sujets, il faut qu'ils montrent patte blanche en matière de contraception, parce que pour l'instant, c'est des grands fomenteurs d'IVG. On est d'accord, mais juste une petite précision, c'est pas dans le cadre de l'enseignement privé, c'est question pour les paroisses, pour toutes les paroisses du diocèse. Merci, je vais peut-être encore juste laisser la parole pour le mot de la fin. Si vous avez quelque chose sur lequel vous voulez réagir, je vous laisse successivement la parole. Pour ouvrir à d'autres choses, la religion a un bandeau, c'est-à-dire que il est rare que je rencontre des parents qui soient très très investis dans un souci comme ça, qui montrent un souci d'éduquer sexuellement leurs enfants par un tiers, heureusement encore que ce soit par un tiers. C'est vrai pour beaucoup, autoriser la sexualité et l'éducation à la sexualité à des enfants ou des adolescents, ça revient à l'autoriser. Et il y a comme ça un peu une confusion dans l'esprit des parents, parce que eux-mêmes, comme on l'a souligné dans cette table, ils sont pour beaucoup effectivement déjà perdus dans des angoisses, dans des fantasmes, dans une volonté de contrôle. Hein, on ne va pas nier non plus qu'en tant que parent, on n'a pas un désir quelque part de contrôler un minimum
c'est nos enfants, je veux dire, c'est les contrôler. On mélange encore, il y a une confusion entre contrôle et protection, volonté de les protéger. La protection est différente du contrôle et l'éducation est différente que l'autorisation. Donc il y a encore beaucoup de choses, de chemin à faire, mais je pense que les nouvelles générations de parents sont quand même plus ouvertes au dialogue parce que, ben, hélas, elles sont confrontées à tous ces dangers quotidiens aussi. Et comme le disait le professeur Nizan, c'est beaucoup plus angoissant et difficile d'éduquer des adolescents à notre époque qu'il y a 20 ans. C'est une réalité. Donc on se doit de prendre sur soi aussi pour amener à une évolution de l'éducation, etc. quoi. Catherine Blanc. Il y aurait tellement à dire. Moi, j'attirerais simplement l'attention sur parler avec un enfant doit passer par le fait d'éviter les sujets de la peur, puisque la sexualité, fondamentalement, pour chacun d'entre nous, elle est anxiogène, toujours, de tout temps. Et donc, il faut pouvoir informer des risques sans attirer l'attention sur simplement le risque et donc la peur, parce que la peur génère ou l'inhibition ou l'agressivité en retour, qui est un système de défense. Donc c'est difficile d'éduquer son enfant sur tous les sujets, la sexualité en particulier. Et donc il faut aussi se libérer de sa propre peur pour pouvoir parler sans que l'enfant ait le sentiment que c'est un sujet brûlant. Anna, Yannick, le mot de la fin ? Je dirais que le compte-rendu qu'on a tenté de faire avec Anna, c'était pour bien mettre en évidence que notre génération, elle est particulièrement touchée par les problématiques qu'on a tous soulevées jusqu'à là, et que c'est véritablement un appel à l'aide, et que ce serait très pertinent de prendre toutes ces angoisses en question, parce qu'on est plusieurs à souffrir de toutes ces problématiques, et voilà. Eh ben, merci pour votre témoignage. Sachez qu'on... On a aussi la chance cette année d'être accompagné par une stagiaire qui justement travaille sur les aspects qui ont été dits pendant le forum. Je suis sûr qu'elle serait très intéressée pour avoir les éléments statistiques de votre étude et le texte que vous nous avez fourni. Donc merci pour votre contribution et puis on se retrouve tout de suite pour une prochaine table ronde. Merci. Voilà, j'annonce le sujet de la prochaine table ronde. Il s'agit de l'enfance en lutte contre le déterminisme. Donc on va être contraint de vider la salle entre les deux, mais ceux qui veulent rester, qu'ils reviennent bien évidemment. Et les tables rondes sont toujours en live sur le forum européen de bioéthique. .eu. À tout à l'heure. Mesdames, messieurs, ceux qui souhaitent assister à la prochaine conférence peuvent rester dans la salle. Hein. C'est bon.